corriger hein, le générique. Hein. Ouais. Hop. Alors, c'est où le truc qu'il faut que je clique là? C'est... Ah oui, il faut que j'affiche l'écran. Le bordel. Et ma gueule, même si c'est pas forcément bien utile. Et voilà. Comment ça va, bande de trous de balles? Ah, il était bon le barbecue. Oh, brochette de poulet comme ça, puis c'est pas des trucs tout faits, hein, c'est des trucs faits maison, quoi. Tiens, c'est quoi ça? Sully du 10. Ah tiens, j'ai eu un follow entre les deux streams. Eh ben, bienvenue à toi, si je sais pas si t'es là, Sully du 10. Sully du 10, je sais même pas comment on fait pour voir les... Là, j'étais en train de bouffer, puis j'étais en train de vous lire là-dessus. Bon. Je suis en train de bouffer des bonbons. Non, en fait... j'ai nettoyé la grille du barbecue. Et il est resté dehors. Et comme ma chérie a ramené des petits bouts de poulet, machin... Et ben, du coup... Il dit, tiens, j'ai fait un barbecue. Ah, bon. Et puis c'était super bon. Que j'ai une chérie qui cuisine super bien. Hop. Bon. Oh merde. J'appuie sur une touche. Ça m'a mis OBS en plein écran. Ah merde. Ah voilà, c'était F11, ok. Ouais, bah tu sais, on mange souvent assez tard, en fait. Y a pas forcément d'heure. On mange quand on a faim. Bon. Une bouteille de flotte, allez là. Hop. Donc là. Alors si, chat d'Amstrad.u, mais en fait, il faut que je refasse tout mon bordel là. Donc ça fait chier parce qu'il marchait plus le chat d'Amstrad.u. Alors du coup, moi j'ai refait un layout machin. Maintenant il remarche. Alors ça veut dire qu'il faut que je me retape un autre layout. Alors c'est super chiant. Donc, là, je sais vraiment pas où le foutre. Hein. Je sais pas où le mettre. Tiens. Est-ce qu'il est là-dedans d'ailleurs? Non, il est même plus là-dedans. J'essaierai de voir si dans la semaine j'ai le temps de rebouiner un truc. Parce que ça prend de la place en fait, hein, ce merdier. Hein. Bon, allez. Trêve de blabla. On va jouer. À la bébête de Grottenberg. Alors. Load. Snapshot. T'es en vacances là? Ouais, je suis en vacances. Bah, c'est moi, j'ai 15 jours de vacances hein, quand c'est les vacances scolaires. Donc ça fait 15 jours que... Bon, j'en ai profité quand même pour avancer sur du boulot que j'avais pris en retard, mais... Et aujourd'hui, j'ai rien branlé. Ça fait du bien. Alors, donc... Voilà. La dernière fois, j'en étais là. Alors, est-ce que tout ça, c'est bon? Alors, je sais pas pourquoi, j'ai fait une sauvegarde du jeu en .snr, sous Caprice Forever. Je sais pas ce qui m'a pris. Ça n'existe pas, c'est .sna.
Alors, début stream 2. Pouf, voilà. Alors, comment j'avais fait ça bien hier? J'avais mis ma fenêtre là. Celle-là, grosso merdo ici. Oui, mais je ne sais pas quand sont les vacances, surtout à quand. Bah, jusqu'à la fin de la semaine, là. Alors, pour ceux qui ont des boulots le lundi, bah, c'est férié, donc lundi, on va pas bosser. Et je crois qu'il y a 2 mercredis fériés la semaine encore d'après. Alors, la chose de Grottenberg, Grottenberg, audio mute on, audio mute off, ok, d'accord. Bon, bah c'est parti, hein. J'aimerais un stream spécial, les solos de guitare les plus pourris de la chanson pop. Alors déjà, faut les trouver dans la chanson pop. Je voulais faire un test tantôt, c'est marrant que tu me dises ça. En branchant ma gratte dans le petit ampli qui est là-bas. Voir si en foutant à fond, on entend bien dans le micro qui est là. J'ai pas encore essayé. Bon. Mais oui, j'y cogite à ça. Parce que je voudrais refaire des streams avec des blind tests. Voilà, j'arrête de bouffer. Avec des blind tests à la gratte de jeux CPC. Surtout depuis, j'en ai fait un paquet depuis là, de la transcription. Et voilà. Bon. Donc, la dernière fois, j'ai niqué la gueule au rat, enfin c'est ma chouette, enfin mon hibou, qui a niqué la gueule au rat, et j'atterris là-dessus, dans le souterrain. Alors, faut pas que j'oublie que. Voilà, mon papier, mon crayon. L'iPad, je m'en fous, parce que je suis le chat sur OBS. C'est aussi bien finalement. Et donc, oui, j'ai atterri. J'ai pété le mur. Donc derrière le mur, en fait, là, il y avait des chauves-souris. Alors, c'est pas l'écran 10, ça va être l'écran 11. Donc 11 chauves-souris. Et donc là, on est à l'écran 12. Alors, on peut aller au sud et à l'est. Alors, du coup, ça va merdouiller avec la map. C'est un peu comme si je repartais d'ailleurs, en fait. Alors, écran 12. Écran numéro 12. On est donc souterrain. Bonsoir, bonsoir. Qui c'est qui dit bonsoir? Bonsoir à tous, sauf ceux que j'aime pas. Aïe, j'ai perdu le fil. Le fil de quoi? De l'histoire? On n'a pas commencé là. Ouais, mais putain, la vache. Hein? Il y a du rototo ce soir. Rotododo. Donc, alors ici, bah. Alors, idéal pour jouer à cache-cache. Et d'ailleurs, il nous met en gros plan, en fin de compte, un anneau. Alors déjà, je voudrais voir qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire. Camembert, pied de biche, pneu, boîte de cassoulet, et c'est tout. Alors. Elle me paraît pas très saine, hein, cette grotte souterraine là. Elle me paraît pas très saine. Putain, j'ai vraiment chopé froid là. Camembert, boîte de coussée, les restes du BBQ, ouais. Barbecue. Un pneu, on a fait cramer un pneu. On peut aller au sud et à l'est. Alors si je vais au sud, qu'est-ce qui se passe? D'accord, faut que je remette la face B. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait en face B? B. Ah bon? C'est pas le bon.
Alors, la chose, face B, ouvrir. D'accord. Alors, en fait, j'aurais dû mettre mon écran 12 ici, quoi. D'ailleurs, si je vais au nord, là... Ouais, mais j'ai pas dû remettre le... Alors, je peux aller à l'est. D'accord, donc en fin de compte, je l'ai là, ma pièce numéro 12, et je peux aller à l'est. Alors, par contre, il y a un anneau. Alors, je m'en remets ma petite liste d'actions sur le pavé numérique. Avec quoi je vais tenir ça? Tiens, je vais tenir ça avec la manette. Oh merde! Quel con! J'ai appuyé sur le joystick. Donc, on va examiner anneau. Vous n'avez rien vu. On va faire fouiller tout court. Vous voyez un anneau. Ouais, super. Oh merde, putain, pourquoi est-ce que je fais pas... J'arrête pas de faire sud. Bah, s'il y en a qui les ont pas vus, les chauves-souris, là, c'est bon, quoi. Charmé des Miss Roussos. Où est-ce que tu vois des Miss Roussos là-dedans? Donc, il n'y a que un anneau. Alors, est-ce que je peux prendre l'anneau? Ça peut donner grand-chose. Hein. Avec du doigt. Avec du doigté, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai, on peut pas mettre d'accent sur les CPC. Les changements d'écran sont quand même rapides vu leur taille. Ouais, ça va. Hein. C'est correct quand même. Tirer anneau. Oh la vache, qu'est-ce que j'ai fait? Le mur s'écroule et vous écrase. Putain. Bon, ça commence bien. Alors, a priori, si je peux tirer sur l'anneau, ce sera certainement en accrochant une corde et en tirant, mais de loin. Wisbo est sacrément moche. C'est marrant cette façon d'afficher lentement les décors. Je spoil pas, mais je t'envoie direct dans les pièges. Ouais, bah là j'y suis allé tout seul là dans le piège là du coup. C'est comment c'est contrôle F2. Faut que j'apprenne à me servir de ce cet émulateur. Bon, alors, on peut pas tirer sur l'anneau, donc vaut mieux lui foutre la paix à l'anneau. Par contre, c'est quoi, là? Il y a de la flotte dedans, là? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut examiner les murs? Ouais, examiner les murs. Ou examiner la grotte. Examiner l'eau, je sais pas si c'est vraiment de l'eau, ça casse pas des briques. Alors, est-ce que je peux pousser l'anneau, au fait? Parce que là, je l'ai tiré, mais si je le pousse plus fort, ça vient. Ah! D'accord. Alors, pousser fort anneau. Tu cherches à trouver toutes les façons de mourir. Non, je cherche à savoir s'il y avait, j'ai pas fait une fausse manip sur l'anneau. Par exemple, si on peut pas le tourner un anneau, c'est forcément évident. Enfin, un anneau, on le tourne. Vous avez les idées mal placées. Ouais, c'est ton anneau là qui est mal foutu. Et j'ai rien là dans mon inventaire qui puisse faire quoi que ce soit. Hein. Pousser, tirer. Parler avec anneau, non. Donner anneau, fouiller anneau, poser anneau, ouvrir, prendre, examiner. Non, il n'y a rien à faire. Je vais aller là un petit peu plus tard. Ah tiens, Lorenzo, t'es passé en level 17.
frapper Anno, manger Anno, mais non, mais ça va pas. Alors, à l'est, qu'y a-t-il à l'est? Dans le souterrain, encore un qui a gagné à cache-cache. Alors, c'est chiant parce que il me parlait de cache-cache dans l'autre là. Alors, est-ce que il y a quelque chose de caché? Soulever pierre, je sais pas, là je vois il y a des pierres. Hein. Vous n'avez pas sa force de Rambo. Bah, putain, il aime bien sa réplique lui. Hein. Non, donc là il n'y a rien à faire sur ce screen là. Bon, alors là par contre, on va examiner le squelette. Un de vos prochains compagnons. Alors, examiner crâne. Examiner cadavre. C'est même plus un cadavre, c'est un squelette là. Donc ça j'ai fait. Ensuite ouvrir, on peut rien ouvrir. Poser, on peut rien poser. Fouiller, hop, notre fouiller par défaut. Circuler, il n'y a rien à voir. Bon bah voilà. Alors par contre si je fais fouiller, squelette. Casser, squelette. Ouvrir crâne. Lâchez-moi la grappe, c'est fermé. Fouiller par la veille donnée. Puis dans mon inventaire, là, j'ai rien de prévu. Si je peux prendre un os, on sait jamais. Un, prendre, prendre os. C'est dans la poche. J'ai pris un os. Je peux en prendre un autre? C'est dans la poche. Oh putain, j'en ai combien? Alors j'ai un camembert, un pied de biche, un pneu, un os à moelle. Oh, il va y avoir un chien alors. Une boîte de cassoulet. Donc d'accord, on peut en prendre qu'un os. C'est bien ces raccourcis clés. Ouais, je me suis mis un petit pense-bête là devant moi avec les noms des raccourcis. Des raccourcis. Ok, très bien. Donc, numéro 13. Prendre os. Voilà, j'ai un os à moelle. Ensuite, bah, on va au nord. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet endroit, la mort moelle-neuve là? Tiens! Louis XVI et Marie-Antoinette. Très intéressant. Ça pue du cul, là. À tous les coups, il y a une espèce de piège, là, avec les deux crânes. À tous les coups, il y a un truc à faire. Je le sens gros comme une maison, ça. Hop, on va sauver le jeu ici. Alors, Louis-Antoinette. Hop. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des marches, il y a des crânes, il y a une porte, il y a deux torches. On va déjà faire fouiller. Je crois que fouiller, ça marche bien en général. Alors, à chaque fois, on a fait fouiller. Ah non, bon, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, ok, très bien. Alors, fouiller, crâne. Fouiller, crâne gauche. Examiner, crâne. Examiner crâne gauche. Non plus. Examiner crâne droite. Non plus. Alors, est-ce que ce ne serait pas un moyen d'ouvrir la porte? Est-ce que les crânes tournent? Alors, tourner crâne. C'était téléphoné, ça, hein? La porte s'ouvre. Là, c'était vraiment pas très difficile. Est-ce que je peux prendre les torches? Prendre torche. On a toujours besoin d'une torche dans les jeux d'aventure.
Pourquoi vous en faites collection? Non. Si j'ai envie d'en prendre une. Examiner. Torche. Fouille, torche, fouille, crâne. Non, bah non, fouille, torche. Je ne sais pas ce qu'on peut fouiller dans une torche. Non, par contre, ça m'a ouvert une porte et maintenant j'ai l'indication nord. Alors, donc, ici, j'en étais donc dans la pièce numéro 14. Non, pièce numéro. Je viens du sud. Donc, oui, c'est ça, pièce numéro 14. Donc, pièce numéro 14. Tourner. Crâne. S'épiler le cul avec torche. Ouais, alors, si je dis le mot cul dans le jeu, il va me faire un game over, non? Torcher le cul. On ne parle pas la bouche pleine. Ouais, bon, d'accord. Bon, bah allez, on y va. Nord. Oh, il y a un Jean. Il y a un monsieur. Le laboratoire. Le corps du professeur Albert Honestone est étendu sur le sol. Oh merde, il est mort. Oh, il a une tronche bizarre. C'est quoi qu'il a sous sa moustache? C'est sa langue? Non, il y a un truc bizarre là dans sa bouche. Honestone, Albert Honestone. Ouais, ils ont voulu certainement faire Einstein. Un peu comme Rambo, ils lui ont donné un. C'est un chasseur. Alors, je peux aller à l'ouest, mais j'en viens. Alors, 14, j'avais fait tourner crâne, donc j'étais encore au nord. Et là, à 15, je suis donc dans un laboratoire. Donc, laboratoire. Alors, déjà, on va examiner le corps. Examiner corps. Non plus. Bon, on va le fouiller, hein. Alors, si on fait fouiller tout court, vous voyez, alors, une fiole de chlorure d'hydrogène. Alors, là, il y a des trucs à prendre. Par contre, j'ai plus de place sur cette page-là. Je finis de marquer ça sur cette page. Alors, c'est une fiole de chlorure d'hydrogène. Alors, le chlorure d'hydrogène, parce que je vois qu'il y a des formules là-bas. H2SO c'est le dioxyde de carbone, donc c'est deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et chlorure d'hydrogène, donc ça doit être certainement donc HCl, non, si je me trompe pas. Parce que là c'est un peu logique, non? Ouais, c'est ça, ok, parce que moi mes cours de physique, putain, là c'est parti loin, mais bon, ça c'est. Et ensuite en haut il y a écrit un truc. En bas plutôt, juste en dessous. Donc ça, je vais le noter, parce que ça c'est le genre de conneries dans les jeux d'aventure, il faut le noter. Et il y a un recueil de notes du professeur. Et donc un recueil de notes. Alors par contre, je vais recopier là la petite pancarte là. Alors, ils ont marqué donc H2O plus HCl, une flèche vers la droite, me remoucher. Et après, il y a des symboles à la con, là. Il y a H, un zigouigoui, O, un plus, un gros point. Cl et un moins. Donc ça, je vais le noter parce que je sais pas si ça sert à quelque chose, mais bon, au cas où ça servirait, au moins je l'aurai quelque part. Hop, H, zigouigoui, O, plus un gros point, un point noir là, Cl et moins. Bon, voilà, on verra bien si ça sert à quelque chose. Oui, ce sont des
Zion. Ah ouais, toi tu vois un 3? Ah effectivement, oui, c'est un 3. Oh, c'est pas très net hein, leur truc, hein. H3O. D'accord, oui, c'est un 3. Tu vois, moi je voyais carrément un zigouigoui hein, d'ici. Hein. Ça fait de l'acide chlorhydrique et machin nanana. Oui, ce sont des ions. Et si mes souvenirs de chimie sont justes, c'est pas une flèche, mais une double flèche. C'est pas que je vois le 3, c'est que je connais la chimie. Bah oui, bah écoute, heureusement que tu connais la chimie, parce que moi je voyais pas un 3, quoi. Et la chimie n'allait pas m'aider plus que ça. Hein. C'est un 15 que j'ai mis là. Hop là, hop. Donc on va prendre tout ça. Alors, prendre fiole. C'est dans la poche. Prendre recueil. Pas avec vos mains crasseuses. Ah, on peut pas le prendre, ça se trouve, on peut que le lire. Lire recueil. Ouah, le bordel! Le bordel. Ah, ils ont voulu faire. Genre, j'ai écrit à la main. Mais alors, c'est pas super clair. Hein. Alors, le 22 juillet, ma transporis est terminée. Seul problème, trouver un cobaye. Moi, je suis trop vieux. Le 3 août, personne ne veut partir à travers les siècles. Que faire? Oh, qu'est-ce qu'il a inventé le fou? 13 octobre, je vais devoir créer un être, oh la vache, dévoué, regroupant les qualités de l'homme et de l'animal. Ah ouais, alors le mec, il est vraiment bien, bien, bien barré, hein. Et bon, le plus important, c'est H2O, le monoxyde de. Oh la vache, les mecs, vous parlez chimie là. Ouais, c'est un poison en grande quantité. Transtemporis. Pff, moi, je sais pas trop ce que ça veut dire. On va voir à plus tard. Le 9 janvier, il me manque un cerveau humain. Mais au cimetière, bien sûr. Oh la vache. C'est un cinglé le type. 9 février, j'ai envoyé 8 créatures dans le temps. 29 mars, j'ai perdu leur contrôle. Une des choses revient vers notre époque, il faut craindre son agressivité. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc, il a perdu leur contrôle, ces choses reviennent. Ok. When they kill this monster, when it went into a trap. Non, ça me rappelle une chanson d'Halloween, son histoire là. S'il y en a qui connaissent Dr. Stein. Sur le deuxième album d'Halloween, s'il y a des métalleux dans le lot. Bon, on va appuyer sur espace. Ensuite, un laboratoire. Le corps du professeur Albert Stone est étendu sur le sol. Ok, bon, il n'y a plus rien à faire sur ça. Par contre, je vais examiner sa tête, quoi. On va faire examiner bouche. Examiner yeux. Examiner tête. Examiner. Oh non, moi je vois, c'est le fouiller, quoi. Il y a peut-être des trucs sur lui, quoi. Alors, ça se trouve, fouiller tout court, ça a fouillé aussi ça. Ah, par contre, fouiller meubles. Il y a des meubles. Vous avez des hallucinations. Fouiller. Laboratoire. Non. De l'eau déminéralisée. Ouais, bah, je sais pas s'il y a de l'eau déminéralisée là. Sur leur truc là.
Alors là, je vois pas trop ce qui soit possible de faire. Fouiller. Non. Fouiller étagère. Non. Donc il m'a dit que j'ai une fiole de chlorure d'hydrogène. De chlorure d'hydrogène. Alors j'imagine qu'il va falloir que je mélange ça avec autre chose. Fouiller laboratoire, mais je crois que j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait fouiller tout court. Voilà, il y avait les notes du professeur, mais en général, ça fouille tout. Passe un mandat de perquisition. Ah, j'oublie-le. Je crois qu'il comprend quand même. Alors au premier plan à gauche, il y a déjà une préparation quoi. Et si je le bois là, le chlorure d'hydrogène? Boire, fiole. Ou bien se conduire, il faut choisir. Ou bien se conduire. Ouais. Mélanger fiole. Avec quoi, je sais pas trop. Vider fiole. Chaque chose en son temps. Donc c'est-à-dire qu'il y a un truc à faire avec la fiole. Ça ne te tue même pas. Non, je suis incroyable moi dans le jeu là. Se verser la fiole sur le tronche. Non. Fouiller table. Examiner fiole. Fouiller fiole. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Verser. Fiole. Ou verser fiole d'en haut. D'en haut. Casser fiole. Le chat du stream se rafraîchit très vite, c'est cool. Bah écoute, j'ai activé. Bah je crois que c'était déjà activé le truc faible latence. Bon, par contre, ça fait des perturbations plus fréquentes dans la connexion, mais là, ça a l'air d'être pas mal. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais essayer déjà de prendre des trucs qui a écrit sur la. Comment dire, sur son tableau. Alors, je vais faire prendre hydrogène. Oh la vache. Prendre non mais il doit y avoir un endroit genre des barreaux qu'il faut corroder. En fait, le tableau, il te dit juste de prendre de l'eau. C'est une connerie, ça encore. Tu me dis un truc pour que je meure. Pour l'instant, j'en suis à prendre hydrogène, prendre oxygène, j'ai pas fait. Mélanger fiole. Mélanger hydrogène. Qu'est-ce que j'avais noté? Chlorure d'hydrogène. Prendre chlore. Donc j'ai fait prendre hydrogène, j'ai fait prendre oxygène, j'ai fait prendre chlore. Alors maintenant je vais faire prendre chlorure d'hydrogène. Hein. Bah prendre l'eau. Non plus.
H2O égale de l'eau. Oui, ok. En fait, le tableau, il te dit juste de prendre de l'eau. J'ai pas l'impression qu'il me dit de prendre de l'eau. Non, de toute façon, je viens de le faire, là, prendre eau. Mais il dit pas. Est-ce qu'il y a des bouquins? Prendre, livre. Je sais pas s'il y a un livre. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ah, il y a bien des conneries à faire. Fabriquer. On va fabriquer une bombe. Non. Tiens, on va essayer de frapper le mort là. Frapper professeur. Non, pas dans les dents. Fouiller professeur. J'ai peut-être pas fait ça, fouiller professeur. Fouiller professeur. Non, faut vraiment une autre perquisition. Manger professeur. C'est bon comme là-bas, dit. Hein. Sodomiser professeur. Professeur. Moi, il n'a pas parlé français. Enculé professeur, alors. C'est peut-être plus français, ça. Mais encore? Bah, je sais pas. Une référence à la pub Garbite de l'époque. Ah ouais, ah bah, j'en souviens pas de ça. Non, bon, bah, il y a peut-être rien à faire. Hein. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Ça se trouve, c'est des ingrédients pour faire autre chose un peu plus loin. Donc je peux aller au sud, ça sert à rien, j'en reviens. Par contre, je peux aller à l'ouest et à l'est, ça m'intéresse. Je vais aller jeter un petit coup d'œil à l'ouest. Pièce numéro 16. Oh, c'est pourri ça. Oh, les jolies fleurs. Oh la vache. Ah, il y a une sécurité sur les gros mots. Normalement, je l'ai viré. Normalement, vous pouvez dire tous les gros mots que vous voulez, hein. Si ça marche, hein, parce que ça, c'est galère. Hein. Oh, puis il y a des traces de sang jusqu'à la porte. Par contre, je vais plus avoir de place là, sur mon truc. Je vais réécrire la pièce numéro 16 là. Hop. Non, j'y suis la pièce numéro 16. Ouais, j'étais là. Ça, c'était le laboratoire, donc 15. À l'ouest, c'est 16. Voilà. Donc ça, c'est la salle à manger. Je disais ça pour le jeu, c'est bon, ça marche. À mon avis, encore un gros mot et ça reset. Ah ouais? Ah bah attends, on va tester. Je vais sauvegarder quand même, hein, parce que fait chier. Ça l'a mangé. Merde. Vous l'aurez voulu. Ah ouais, ça reset. M'en fous. Save state. Bon. Examiner le tableau. Franchement, l'action examinée, elle sert à que dalle.
On va faire fouiller, hein. Même ça, ça marche pas. Fouiller meubles. Fouiller cheminée. Fouiller table. Donc en fait, ce jeu-là, il faut pas attendre d'examiner quelque chose pour qu'il nous dise qu'il y a quelque chose avant de prendre ce qui serait susceptible d'être dans le screen. Donc je vais essayer déjà de prendre les fleurs. Bon, peut-être qu'il faut l'écrire en pluriel. Non. peut-être qu'il faut prendre la main. À examiner le sang. Prendre le sang. On peut pas prendre du sang. Ah oui, il n'y a pas d'œufs à fleurs, quel con. Non, de toute façon, il veut pas. Je crois qu'il a, il est assez tolérant, le truc. Je pense qu'il doit analyser les quatre premières lettres. Lécher le sang. Ouais. Alors il y a des tableaux et une cheminée. Ça en général, c'est des interrupteurs, ça. Alors on va retourner tableau. Moi, il n'y en a pas parlé français. Alors tourner tableau. C'est pas le moment. Soulever tableau. Tirer tableau. Regarder portrait. Il y a un portrait tout au fond. Examiner portrait. Examiner cheminée. Ouvrir cheminée. Là j'ai tout fait. Ensuite à droite, alors le meuble j'ai déjà fait, fouiller meuble. Ouvrir meuble. Il y a un abat-jour là à droite. Examiner lampe. Lampe non plus. Allumer lampe. Éteindre lampe. C'est un coffre. Ah ouais, ouais, c'est pas très bien dessiné, hein. Ouais, examiner coffre. Fouiller coffre. Ouvrir coffre. Non, bon, y a rien à faire avec le coffre. C'est un... Hein, je sais pas, j'arrive pas à lire le mot là, c'est écrit du vert sur du blanc, du au jaune sur du vert. Ce tableau. Bon, bah j'ai rien à trouver ici pour le moment. Je suis dans la pièce numéro 17. Je peux aller au nord. Mais je peux encore aller... Non, je suis dans la pièce numéro 16. Ah merde! Wow, 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 wow! Ça pue du froc là, ici, hein. Je viens d'où? Voilà, laboratoire, il est là. Que je marque labo.
Donc là, à l'ouest, à l'ouest, ok. Donc a priori, s'il y a des traces de sang jusque là-bas, c'est que la main a été arrachée ici. Et ensuite, il a traîné le cadavre là-bas. Oh, ça, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. J'ai été au nord. Non, là, je suis en 16. J'ai été à l'ouest. Ah non, j'y suis pas encore allé à l'ouest. Oh la vache, tout le monde est crevé là. Tout le monde est crevé. Oh, 18. Putain la vache. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette baraque? Forcément, s'il a, il a fabriqué des monstres, l'autre abruti, hein. Donc en... je suis en train de me planter dans mes 15, c'est laboratoire. Donc 16, salle à manger. 17. Alors 17, c'est-à-dire à l'ouest. Et là, on est dans la chambre de mémé. Eh ben mémé, ça va pas mémé? Les prémices de Resident Evil, ouais. Ça me perturbe cet affichage pixel par pixel. Umbrella. Oh la vache, mémé. Ah là, il y a un micro. Elle est en train de chanter. Recroquevillée sur elle-même, mémé semble avoir délaissé ses occupations. Et pour cause. Mémé. Recroquevillée sur elle-même. Mémé semble avoir délaissé ses occupations. Et pour cause. Bon, bah on va examiner Mémé, hein. Pas trop envie, mais... Alors, j'ai du mal à voir où est la tronche de... Parce que là, on m'aimait une tronche bizarre quand même. Difficile de reproduire des vieux sur Amstrad. Hein. Donc, on va faire déjà fouiller. Hein, on va commencer par ça. Vous voyez un magnétophone. Ça commence bien. Donc déjà, on va le prendre. Enfin, on va l'écouter. Alors, écoutez, magnéto. Normalement, il devrait comprendre. Vous avez les idées mal placées. Ah bon? Écoutez, magnétophone. Ce n'est pas le moment. Fouiller mémé. Examiner mémé. Elle m'a l'air refroidie. On va examiner tout ce qu'on va pouvoir déjà. Alors elle est sur un... Alors, voilà vache. Examiner tête. Soulever oreiller. Moi je veux savoir s'il n'y a pas un truc planqué derrière l'oreiller. Soulever drap. Vous voulez violer son intimité? Non, pas du tout, non, là franchement. On va examiner le micro. Ah, regardez sous le lit, comme dans le passager du temps. On va examiner sous... examiner le lit, bon, vu que c'est parti, voilà, alors, regardez sous le lit. Ok, examiner sous le lit. Fouiller sous le lit. Fouiller drap. Non plus. Donc là, il n'y a rien à faire. Alors, il y a un micro. Examiner micro.
Fouiller micro, ça n'a pas de sens. Ouvrir fenêtre. Il y a une fenêtre tout au fond là. Examiner main. Est-ce qu'elle tient un truc dans sa main? Non plus. Alors maintenant, on va s'occuper du magnétophone. Alors j'ai fait. J'avais fait quoi tout à l'heure? Écouter magnétophone. On va l'examiner. Alors est-ce qu'il prend examiner magnéto? Ah, cool! Le radiocassette de mémé. Marque JWC. 2 fois 65 336 watts Dolby stéréo, 12 cylindres en V, turbo éjection. Ils auraient marqué turbo érection, j'aurais pas été surpris. Donc là, il y a la tronche à mémé juste à côté. Elle a été poignardée à la gorge là, c'est dégueulasse. On la reconnaît, c'est Agatha Christie vers la fin de sa vie. Ah bon? Je sais pas quelle tronche. Ouais, quelle tronche là, Agatha Christie. Bon, alors là, il y a play, stop, forward, rewind et record. Donc on va voir si on peut pas faire play. Lire, italienne bien sûr. Alors lire, cassette. Rembobiner, cassette. Judicieux, la bande est rembobinée. Le bruit qu'il fait son truc pour rembobiner une cassette. Ça faisait pas ce bruit-là, hein, les rembobinages de cassettes. En 1987, elle n'était pas très connue. Ouais, tu m'étonnes. Bon, j'ai rembobiné la cassette. Donc, lire cassette. Jouer cassette. Un seul moyen, un logiciel Ubisoft, jouer cassette. Pas mal. Lire cassette, jouer cassette, écouter cassette. Ah. L'amour est enfant de Bohème et... Ah, il s'est échappé. Enfuis-toi, ma petite fille. Tiens, voilà la clé de la grille. Ah. Ah d'accord. En fait, au début, elle chante. L'amour est enfant de Bohème. Ah, il s'est échappé. Enfuis-toi, ma petite fille. Tiens, voilà la clé de la grille. Arr. Là, elle canne. Donc, est-ce qu'il y a une suite? Ouh, rembobiné, hein. Alors, j'avais fait quoi moi? Lire cassette? Jouer cassette? Écouter cassette? C'est la fin de la bande, ok. Retourner cassette? C'est jamais, hein. Et qui va payer les dégâts? Alors, éjecter. Cassette. Quand on peut pas, on fait pas. Oh, d'accord, on peut pas éjecter la cassette. Ah, si je fais rembobiner cassette. Ah, il refait le rembobiner cassette. Tu fais trop bien la vieille. Ouais, t'as vu un peu. Hein. Alors est-ce que oui, éjecter cassette. Dur, dur. Bon, je pense pas qu'on puisse. Donc, elle parle d'une clé.
La clé de la grille. Donc il y a une grille et puis apparemment il y a une clé aussi. Donc il y a une gamine qui a la clé de la grille. Bon, très bien. Donc là, magnétophone, donc on avait fait rembobine et cassette. Bon, je marque un K et un 7. Lire cassette. Non, jouer. Ouais, lire cassette. Écouter cassette. Ok, on est donc. Ah, on est revenu ici, ok. Donc ça c'était 17. Donc dans la chambre à mémé. Donc mémé qui est mort de toute façon, voilà, c'était la fin quoi. On va aller donc au nord. Ouais, on l'a aperçu, ouais. Bah, elle est là, la gamine. Une cuisine. Donc 18. Hop, je vais pas perdre de temps, je vais directement faire fouiller. Non, ça marche pas. Bon, alors. Fouiller corps. Fouiller corps. Examiner corps. Examiner main. Si elle lui a filé une clé, elle est peut-être dans la main. Prendre clé, tout simplement. Non, donc ça veut dire que la clé n'est pas là. La pauvre fille Cujat, sa tête roula dans le caniveau. Putain. Soulever jupe. Oh. Bonsoir Alice. Ah tiens, salut Kirkspock. J'ai loupé une bonne partie. Ouais, bah tu sais, il est très très loin d'être fini le jeu, parce que je l'ai commencé hier, donc je sais pas s'il est long ou pas. Bon, on va commencer par fouiller les étagères. Fouiller cheminée. On va fouiller tout ce qu'on peut fouiller. Fouiller table. Ça se fouille pas une table. Tout au fond, il y a une espèce de petit muret avec des briques là. Attends, je vais faire fouiller sol. Il y a un blason en haut de la cheminée. Examiner blason. Prendre blason. Non. Examiner le banc. Examiner banc. Non. Bizarre, j'étais sûr que c'était la fille qui avait la clé. Bah ouais, moi aussi. Mais je vais réexaminer plus de trucs là. Pour l'instant, j'examine un petit peu les trucs. Je voudrais examiner. Examiner le mur. Non, ça casse pas des briques. Examiner briques. Non. Fouiller. Putain, on peut pas fouiller la cheminée. Pourtant, une cheminée, ça se fouille. Tiens, salut John Cut. Donc là, on essaye de trouver une clé qui a été volée par une petite fille Cujat. Voilà. Enfin, presque Cujat, hein, parce qu'il y a juste. Au moment que c'est la prise de vue qui est comme ça. Donc, on est censé avoir une clé, trouver une clé par là. Mais visiblement. Alors, j'ai pas fait ramasser clé. Ramasser clé. Non. Bon, on va s'occuper de la petite fille. Soulever corps. Tourner corps. Examiner cadavre. Non. Soulever jupe. Merde. Soulever jupe. Ah, il l'a compris quand même.
Alors c'est pas soulevé Juppé, rien à voir avec Alain. Donc en fin de compte, c'est ouais, donc c'est sa main droite qu'elle a perdue. Elle a perdu sa main droite qui a été arrachée donc sur le tableau d'avant. Donc voilà, la main droite elle est sur la table. Dans la chambre de Mémé, Mémé a enregistré dans son magnétophone que voilà, elle avait une clé, puis elle lui a filé la clé. Alors peut-être que quelqu'un est venu la prendre la clé après. Fouiller, violer son intimité. Ah, il y en a qui veulent aller jusqu'au bout. Violer. Oh non, c'est crade quand même. Violer son. Enfin, violer intimité. Vous êtes barge. Intimité. Merde, putain, je sais plus écrire. Ouais, non. Fouiller main gauche. Vu que de toute façon, plus que cette main-là. Fouiller main gauche. Pas sans mandat de perquisition. Tiens, salut Amstrad aussi. Amstrad aussi, tiens, c'est marrant ça comme nom. Donc, je te pose pas la question de savoir si voilà, tu connais la CPC, forcément. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire là-dedans? J'aimerais bien retourner le corps, putain, c'est pourtant pas compliqué quand même. Retourner corps. Qu'est-ce que je viens pouvoir faire ici? Tain, c'est genre, il occulte complètement le fait qu'il y ait une petite fille là, fouillée et morte. Ouais, ça m'étonnerait qu'ils aient mis ce genre de truc quand même. Oh putain! Vous avez trouvé une clé! Ouais, c'est franchement n'importe quoi. On avait fait fouiller fille, fouiller machin et. Là, voilà, on marque ça alors que si on marque fouillée morte. Ouais, il nous remet ça. Bon, bah alors prendre clé. Oh, c'est dingue ça! Bien joué en tout cas, Bandicoot. Fouillée morte, bah ouais. Putain. Ils nous mettent fouillée morte, genre on n'est pas censé savoir que c'est la fille. Alors que sur le magnéto de Mémé, elle nous précise bien que c'est la fille. Donc à partir du moment déplacer, bah déplacer. Alors fille, je pense qu'il va pas vouloir. Si je fais déplacer morte. Non. Donc non, là je vois pas trop. Bon, je pense que j'ai fait tout ce qu'il y a fait à faire ici. Je vais donc noter ça. Donc là, on est dans le screen numéro alors 18. Non, oui, non, là c'est la cuisine. Donc c'est bien ça. Fouillée morte. Prendre clé. Hop. Voilà. Bon, allez, on continue. Là, je peux aller au sud ou à l'est. Alors, au sud, je reviens en arrière. À l'est, je vais voir s'il y a autre chose. Le hall d'entrée. Ok. Donc, écran numéro 20. Non, 19. Je sais pas compter, moi. Hop là. Hall d'entrée. Donc en fait, la maison avait un passage secret. On est rentré par le passage secret. Et ensuite, on découvre la maison. En général, c'était une maison, puis tu découvres un passage secret. Mais là, en fait, on a fait l'inverse. Donc dans le hall d'entrée. N'oubliez pas le guide.
Ah, à tous les coups, il parle d'un bouquin là. On a un guide à choper, peut-être. Alors, fouiller déjà. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors, on va faire fouiller, meubles. Fouiller, armure. Prendre guide. Pff, allez, on y va, hein. Il nous parle d'un guide. Non, lire guide. Merde. Lire guide. Oh, nom de Dieu! Lire guide. Ouais, ok, bon, ça sert à rien. Salut Thor Asgard. Bon, bah tu vois, là, on est parti dans la maison du professeur, là. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Il y a un grand tapis, tiens, on va faire soulever tapis. Je fais toujours ça dans tous les jeux d'aventure. Moi, dès qu'il y a un tapis, je le soulève. Non plus. Fouiller étagère. Non. Examiner armure. Désolé, ce n'est pas votre taille. Enfiler armure, on sait jamais. Vous avez les idées mal placées. Oui, mais non. Il y a un blason, il y a deux blasons, il y a une hache. Examiner blason. Examiner bouclier. Prendre bouclier. Prendre hache. Ouvrir tiroir, il y a des tiroirs. Pousser armure. Plus fort, ça vient. Ok, non. Qu'est-ce que je peux faire d'autre là dans le hall? Alors après, si... Je peux aller sur Amstrad.U, mais tu le mets plus a priori. T'es proche de la fin là? De la fin de quoi du jeu? Non. De la fin du stream non plus. Ça fait 1 heure que je stream, donc je vais encore continuer. Alors je vais pas aller à l'est parce que là c'est déjà le hall d'entrée. J'ai pas envie de sortir de la maison, j'ai encore une pièce que j'ai pas visitée. La clé pour les tiroirs. Ouais, mais la mémé elle parlait de la clé pour ouvrir la grille. Alors moi en fait finalement là je cherche une grille. Et je crois savoir où elle est cette grille. Ah non, j'ai fait exploser le mur avec une grenade. Donc la grille a explosé. Par contre là, il y a un... Ah non, bah non, c'est un coffre, je suis con. Donc ouest, c'était normalement c'était la chambre de mémé. Ouais, ça c'est la chambre de mémé, donc il n'y a plus rien à faire là. Je crois qu'il y avait un ailleurs aussi, encore au labo, on pouvait aller à l'est et j'y suis pas allé. Donc là, salle à manger. Donc là, on revient au labo. Alors, au sud du labo, non, parce que là je m'en vais. Par contre, je ne suis pas encore allé à l'est. Ah, vous vous heurtez une porte blindée. Alors, est-ce que c'est pas ça la fameuse clé pour. Alors, porte blindée. Ouvrir porte. Mettre. Clé dans serrure. Vous n'y allez pas par 4 chemins. Non, ça ne marche toujours pas. Ouvrir porte avec clé. La clé pour les tiroirs. Ouais, ou pour le coffre aussi. Mais ça m'étonnerait que, à moins que la mémé raconte des conneries. Parce que là, déjà, si je fais ouvrir coffre, il me disait que c'était fermé. Ouais, alors, ouvrir
coffre avec clé. Non. C'est pour ne pas payer le droit à l'image. Ouais, Einstein, ouais, c'est ça, ouais. Lorenzo m'a invoqué. Là, il n'y a pas de tiroir. Ouais, Wizbot, il a bien joué, là. on va aller là où, ouais, le hall d'entrée il est à l'est de la cuisine. Ouvrir tiroir. Je sais plus s'il y a un ou pas tiroir. Avec clé. Mettre clé dans serrure. J'ai déjà fait ça. Il nous a expliqué à Maury pour le chat que c'est qu'il doit refaire la scène OBS. Bah ouais. Moi j'avais viré le chat du truc parce que bah là il marchait plus donc je pouvais plus le mettre. Je dis bon bah ça tombe bien de toute façon. Je vais refaire ma scène machin. Puis là que maintenant que ça remarche, il faut que je le remette. Alors je referai ça, mais plus tard, quoi. Là, je vois pas, quoi. Mettre clé dans serrure, ça marche pas. Bon, bah, tant pis, hein, je vais aller à l'est. Hein. De toute façon, il me parle d'une grille. Là, je vois pas de grille. Hein. Le manoir de Grotenburg, cette étrange demeure... Sur cette étrange demeure règne depuis des siècles un microclimat. Ouais, bah l'autre, à force de faire des expériences chimiques, il a déréglé le climat au-dessus de sa baraque. J'en suis là. Hop. Et donc, écran numéro 20. Ah, ça fait le 20e screen du jeu. Là. Donc, manoir. Bon, il y a un jardin. Hop, il y a une branche d'arbre avec des feuilles. On va essayer de prendre une feuille. Non. Alors si je vais à l'ouest... je reviens dans la baraque. Ouais, c'est ça. Donc... Bon, examiner manoir, mais bon, je pense pas qu'il y ait grand chose. Ça semble peu entretenu. Examiner jardin. Aussi. Fouiller tout court là, on n'a pas fait fouiller là. Il n'y a rien à voir. J'en suis à la 56e sauvegarde de mon graphique. C'est moins que tes sauvegardes. Mes sauvegardes de quoi? Prendre lance sur l'armure. Ah ouais, j'ai pas testé ça, mais j'ai pas vu de lance. J'ai essayé de faire prendre hache. Donc au milieu, ce serait une lance. On voit mal, hein, franchement. On va tester. Prendre lance. Non. Non, si c'est bien, c'est ça, prendre lance. Non, y a rien à faire ici pour le moment. Ouais, de toute façon, on peut sauvegarder hein, dans le jeu. Hein. Mais faut faire la touche 7 et 8 du pavé numérique, c'est pour charger une partie ou sauvegarder une partie. Mais je l'ai testé au tout début et ça marche pas bien, donc avec l'émulation, il faudra peut-être déprotéger la disquette ou même car... Ben non, c'est que c'est en plus, c'est des origines, il faudrait faire chier à réinsérer une disquette vierge et tout avec l'émulateur, c'est un peu la merde. On va aller à l'est, hein.
Screen numéro 21. Oh punaise! Une seule gueule, le chien! Vache! Ouais, il faut une autre disquette, c'est ça, ouais. New or old game? Ah bah c'est un. Old game! Very old game! 1987. Welcome to you, Retro Gaming Denmark. Bon, qu'est-ce que je vais faire là? Attention, il pourrait bien briser sa chaîne. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Un camembert, un pied de biche, un pneu, un os à moelle. Une boîte de cassoulet, une clé. Ah, la clé de la grille, et ben la voilà. Mince, pompon se jette sur vous avec voracité. Fuck! Et j'ai pas sauvegardé. Pied de biche, pneu, os à moelle, boîte de cassoulet, fiole. Ok. Bon, faut que je me retape mémé. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Examiner magnétophone. Ah, toi qui n'étais pas là, Maury, je sais plus qui. Si vous avez entendu le bruit de rembobinage de cassette sur CPC. Donc, rembobiner cassette. Ensuite, j'avais fait écouter cassette. Voilà. L'amour est enfant de bohème, blablabla. Donc c'est là qu'on a compris que la petite fille, donc sa petite fille, donc tiens, voilà la clé de la grille. Et je viens de comprendre, c'est le portail. Et donc là, voilà la grille que je cherchais en fait. Oh, tu as pas refait la vieille. Non. Ceux qui veulent m'entendre faire le son, imiter une vieille, voilà, vous regardez le replay. Hop. Donc ici, on avait le cadavre. Donc là, on avait fait examiner morte. Merci, Bandicoot. Non, c'était pas ça. Examiner. Non, fouiller morte. Prendre clé. Et on se casse. Là, c'est pareil, je sais pas ce qu'il y a à foutre. Voilà. Donc, voilà, ils nous disent que le manoir, voilà, il est tout dégueu. Je vais sauvegarder une partie là. Manoir. Hop. Donc, on arrive près de l'entrée du jardin. Et Pompon, le chien du manoir, attention, il pourrait bien briser sa chaîne. Alors, on va faire donne os. Voilà, on n'attend pas trop. On donne l'os à Pompon. Oh, il a retrouvé sa gentillesse. Je prends le risque de caresser Pompon. Caresser chien. Merde. Il y a deux R à caresser, non? Non, il n'y a qu'un seul R. Caresser chien. Caresser pompon. Ouais, bon, bah, c'est juste pour qu'il nous bute pas, quoi. Ouvrir portail. Grille, c'était le mot employé. Grille avec clé. Well done, la clé, ça va tout seul. Voilà, et là je peux sortir. Ah, veuillez nous excuser pour cette interruption momentanée de l'image et du son. Dans quelques instants, la suite de notre programme. Veuillez insérer la face A, puis appuyer sur une touche. Ok.
Ouais, ils auraient dû juste y insérer la face A dans un petit pop-up, ça aurait été bien. Alors, disque 1, load image. La chose de Gothenburg, ouvrir. Voilà. Manger pompon avec sauce soja. Ouais. À l'extérieur de l'enceinte du manoir. Bon, là, j'ai pas envie de me retaper les sauvegardes et la disquette à retourner. Finalement, je vais. Voilà, hop, manoir, je réutilise la même. Alors, 21. Pompon, le chien pompon. Le chien pompon. Ensuite, 22. Devant l'enceinte extérieure. Hop. Donc screen numéro 22. Donc je peux aller à l'ouest à nouveau. Bon, aucun intérêt. Je peux aller au sud. Mais par contre, je voudrais quand même examiner un petit peu, deux, trois bricoles. Examiner grille. Fouiller, voilà, non, ça casse pas des briques. Examiner le sol. Examiner portail. Est-ce qu'ils peuvent. Ça marche avec ce mot-clé là? Non, bon, on se casse au sud. Screen numéro 23. Il est vachement grand ce jeu en fait. Il y a quand même pas mal de screens. Un chemin. On va fouiller. Ça casse pas des briques. Par contre, il y a des pierres. Ah, puis il y a une borne là, non, sur le côté. Soulever pierre. Soulever caillou. Fouiller buisson. Est-ce que je peux examiner la borne? Non. Plus grand que SRAM, mais moins long que le passager du temps. En tout cas, au niveau du nombre d'actions à faire. D'accord. Je me rends pas compte. Hein. Je me rends pas vraiment compte. Examiner chemin. Fouiller chemin. Je sais pas si ça se fouille un chemin. Non. Creuser sol. À force de creuser, vous allez avoir des trous de mémoire. Qu'est-ce que c'est drôle, hein? Donc si je vais au nord, normalement je reviens au manoir, c'est ça? Ouais. Donc là je retourne au sud. Lire borne. Ouais, c'est pas con, lire borne. Ça peut-être nous donner combien de kilomètres il reste? Lire, lire, non. Pousser, borne. C'est vraiment histoire de fouiller, borne. Genre, on peut fouiller une borne. Pousser, borne. Tirer, borne. En fait, Zizkier, tu as fait le parcours un peu à l'envers. Mais bon, comme ça boucle, c'est pas grave. Pisser sur borne. Ah ouais. Pisser sur borne, pourquoi pas. On ne parle pas la bouche pleine. Je sais pas si je l'ai fait à l'envers ou pas le jeu. Je sais pas s'il y a un endroit prédéfini pour faire le jeu. Donc 23, j'ai dit un chemin. Bon, il y a toujours rien, donc je vais au sud. Encore un chemin? Alors on va faire 23B, c'est le même. Fait chier, examiner borne. Lire borne.
Examiner, chemin, fouiller, fouiller buisson. Au jardin, moi, je serais plutôt parti à l'est. Mais à l'est, c'est ce que j'ai fait, hein. Regarde, je te le refais. Ah non, c'est encore un autre. Oh putain, la vache. Oh, fais chier, faut que je remette ma. Ouais, bah tant pis. Bah non, parce que là, je suis parti à l'est. Ah oui, tu veux dire revenir dans la maison. Tu veux dire revenir dans la maison. Au jardin du début. Ah oui, au tout début du jeu. Ah ouais, bah non, moi je sais pas. Moi, je suis parti à l'ouest parce que voilà, j'habite en Normandie, que. À chaque fois que je pars de quelque part, c'est pour aller à l'ouest. Alors, au sud. Donc, au sud, on a le screen numéro 23. Encore au sud, on a le screen 23B. Encore au sud. Alors, ils ont fait juste fait un changement de palette pour faire un autre pseudo-screen finalement. 23C. Alors, lire borne. Fouiller, fouiller buisson, examiner chemin ou examiner route. Fais gaffe, si tu fais ça chez toi dans la vie, tu vas finir en Bretagne. Non, non, on s'arrête toujours avant la Bretagne. On va jamais mettre les pieds en Bretagne. Là où on s'en rapproche le plus, c'est quand on va visiter un monument qui nous appartient et qui s'appelle le Mont Saint-Michel. Que les Bretons s'amusent à faire passer pour étant comme à eux, alors que c'est quand même la région Normandie qui paye les travaux, hein. Donc les Bretons, ils sont gentils, hein, mais ils prennent ce qui les arrange, eux, hein. On chie les Bretons. Hop, allez encore au sud. Ouh, un croisement, ça me rappelle un jeu, ça. Il y avait un croisement aussi, donc comme ça, dans un jeu. Alors, screen numéro 24. J'ai plus de place là. Là, j'ai pris des notes, donc là, j'ai tous mes screens ici. Là, j'ai toutes les actions que j'ai faites. Je me suis un petit peu mal démerdé au niveau de l'agencement de mon truc. Bon, 24, j'ai reporté le screen 24 ici. Mais comme je sais pas dans quel sens ça part, alors je commence toujours au milieu. Ouais, les Bretons, quand il s'agit de payer, il n'y a plus personne. Alors là, on va lire les panneaux quand même, hein, parce que là, on est quand même au screen 14. Donc là, on retourne au nord, on en vient, donc c'est pas la peine. On va soit à l'ouest, soit à l'est. Alors, si je remets ça dans le contexte, je pense que je vais aller à l'ouest. Qui va toujours à l'ouest. Hein, ils ont des B en P, vive les Bretons. Ils ont des bières en plomb. Ils ont des bières en plomb, vive les Bretons. Des bites en plomb. Bah je les plains. C'est pour ça qu'ils sont pas normales. Ils ont des bites en plomb. Je savais bien qu'il y avait un truc qui clochait chez ces gens-là. Ou ils ont des boules en plomb. Bon, j'ai soif, moi. Bonjour le saturnisme pour celle qui les turlute. Tu connais la chanson? Quelle chanson? La chanson des pites en plomb? Bon, j'ai dit qu'on allait. Alors, allez, pour faire plaisir à Eric, on va aller à l'est. Par contre,
Je retourne à l'ouest, j'ai pas lu les pancartes. Lire panneau. Par ici, par là. Ok. Bon, on était parti à l'est, il y avait une église. Hop, 24, 25. Hop là, alors 25, j'écris là. C'est une église. Ils ont des chapeaux ronds. Vive la Bretagne, ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Ouais. Sont un peu pourris leurs chansons aux Bretons. Hein. La seule salle de concert du coin qui affiche complet le dimanche matin. D'accord. Fouiller. Là, il n'y a rien. Examiner église. Ça casse pas des briques. Bon, à partir de l'église, je peux aller au nord et au sud. Oh, désolé. Donc j'imagine au nord, on rentre dans l'église. Au sud, on va je sais pas où. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil à l'ouest. L'ouest de là où j'étais. Ah, le cimetière. Ok. Vous prendrez bien une petite bière. Une mise en bière. Le cimetière. Ils sont marrants, hein. Donc là, c'est le screen numéro 26. Alors, cimetière. Dans la vallée de Dana. Ah ouais, oh, je me souviens plus de ça. C'est une chanson qui passait sur les ondes radio quand j'ai commencé à bosser. Alors, c'était quoi, 99, 2000, 98. Alors, on va fouiller. Examiner tombe. Vous n'avez pas peur des zombies? Pub, moi si. Ouais, ils font référence à leur jeu zombie. C'est sympa leur petite référence. Le jeu zombie de Ubisoft, un de leurs premiers jeux, ou leur premier jeu, je sais plus. Ouais, il y a une tombe ouverte, j'ai vu ça, ouais. Mais je prends mon temps. Je cherche s'il y a pas, on peut pas soulever un truc. Soulever une tombe. Non. Fouiller. Trou. Examiner trou. Descendre dans trou. Putain, vous avez vraiment des références musicales merdiques. Est-ce que j'ai bien pouvoir faire? Il y a un trou, il y a un trou. Examen fouillé caveau, mais c'est pas vraiment un caveau. Et puis ça s'écrit pas comme ça. Examiner caveau. Ça marche aussi avec caveau. Lire. Lire tombe. Trianne. Oh là là, ça me parle pas ça. Guitare et biniou. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai bien pouvoir taper comme connerie là, du coup descendre. Dans caveau, ça n'a pas marché. Mission impossible. Pas du métal, Trian. Ouais, non, je pense pas que ce soit du métal, Trian. J'ai
Je vais y revenir, je vais juste aller jeter un petit coup d'œil dans l'église. On rigole pas avec le métal. Oh si, moi je rigole beaucoup avec le métal, moi. Le métal me fait rire. C'est pour ça que c'est une musique que j'aime beaucoup. Elle peut être prise au second degré, troisième degré. Et les mecs ils se prennent pas trop au sérieux quoi. À part les black métalleux, là, eux, ils sont bien barrés. Alors, ça vous épate, oui, mais. Première personne vivante que je croise dans le jeu. Fouillez. Vous voyez, un bénitier de l'eau. Le curé vous signale votre manque de respect et vous met dehors. Putain, j'ai même pas le droit de fouiller l'église. Bon, allez, on y retourne. Bon, on va parler avec, hein, quand même, parce que c'est la seule personne du jeu pour le moment où on peut causer. Parler avec curé. C'est la fin du monde, peut dire mon univers impitroyable, où l'homme perd sa raison et devient une bête. Amen. Le curé vous signale. Oh putain, j'ai pas eu le temps de lire. Ils font chier là. Je vais lui reparler parce que j'ai rien pu lire. Parler avec curé. Je vais peut-être mettre sur pause l'émulation. Je sais pas si c'est où pause là-dessus. F1. Ok, d'accord. C'est la fin du monde. Dieu a voulu punir ce monde moderne et cruel. Cet univers impitoyable où l'homme perd sa raison et devient une bête. Amen. Le curé vous signale votre manque de respect et vous met dehors. Ok, donc il y a un truc à taper. C'est Fernandel. Ouais, il ressemble un petit peu à Fernandel, ouais. Que doit-on faire quand on rentre dans une église normalement? Bah quand on passe devant le Christ, devant l'allée, je crois qu'il fallait faire le signe de croix. Je ne sais plus. Ça fait des décennies que je suis pas allé dans une église. Faire signe. Voilà. Très bien, vous êtes un bon chrétien. Bah oui, hein, j'ai fait ma communion et tout le bordel, hein. Enfin, on m'a fait faire ma communion et ma communion solennelle, ma retraite de communion. Enfin, tous les trucs bien pourris auxquels on te fait croire quand t'es gamin. Très bien, vous êtes un bon chrétien. Alors, est-ce que je peux lui parler maintenant? D'accord, ok, maintenant il me dit ça sans me foutre dehors. Est-ce que je peux prier, hein, du coup, peut-être il va être content. Espiritus Sancti, Amen. Est-ce que je peux fouiller? Est-ce qu'il va pas mal le prendre? Vous voyez, un bénitier de l'eau. Ok. Vraiment, pour faire le signe de croix, on met la main dans le bénitier, puis on fait le bordel. Par contre, là, il y a de l'eau. Est-ce que je peux prendre de l'eau? Parce que là, j'ai de... J'ai du, comment ça s'appelle, la chlorure du, je sais plus quoi, attends. Je vais déjà prendre de l'eau, ça marche ça? Haha, je ricane. Oh putain, il faut un conteneur. À tous les coups. Un jerrycan. Il dit haha, je ricane. C'est-à-dire qu'on n'a rien pour le mettre. De toute façon, c'est simple, en inventaire, j'ai un camembert, un pied de biche, un pneu, une boîte de cassoulet, une clé, une fiole de chlorure d'hydrogène. Ah, faut peut-être mettre de l'eau dans la fiole. Alors, mettre eau dans fiole. Vous n'y allez pas par quatre chemins. Ouais, non, ça me dit pas grand-chose. Moi, je me méfie des curés ces temps-ci. Ouais, il n'y a pas que ces temps-ci, hein. On s'en méfie tout court. Mettre eau dans fiole, ça marche pas. Mes fioles dans eau, mettre fiole dans eau. Ou vider fiole
dans eau. Remplir fiole. Vider fiole. Mettre fiole dans bénitier. Confesser. Je sais pas. Mais non, vous êtes un petit saint. C'est quoi dans la fiole? Alors, dans la fiole, je vais te dire ce que c'est, Amaury. C'est une fiole de chlorure d'hydrogène. On a atterri dans le laboratoire du professeur. Et il y avait un écriteau H2O plus HCl. Alors, toi qui as fait de la chimie, bah, tu vas forcément avoir peut-être des connexions cérébrales. Acide chlorhydrique. D'accord, c'est de l'acide. Voilà, c'est ce que dit Eric. Voilà, c'est ce qu'il avait écrit au tableau dans le laboratoire du professeur. H2O plus HCl, une flèche donne donc du 3, H3O plus HCl. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un ingrédient qui fait qu'une fois que c'est mélangé à la partie de gauche, ça donne la partie de droite? Ça va péter. Ouais, c'est pas fait pour faire un truc. Parce que si c'est de l'acide, l'acide, ça peut faire fondre des bordels, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, il y a un bénitier et de l'eau. Mélanger acide et eau. Non. En fait, c'est une réaction qui va dans les deux sens en réalité. Ouais. Alors là, je vois pas du tout. Je peux pas lui donner un truc au cureton? Un camembert, non, il s'en fout. Pied de biche, un pneu. Une boîte de cassoulet, une clé. Alors la boîte de cassoulet, je l'ai déjà ouverte, elle sent bon, mais quand tu la bouffes, il y a des asticots et tu crèves. La clé, bah, elle vient d'ouvrir le portail du manoir. Et donc une fiole de chlorure d'hydrogène. En fait, c'est une production de chaleur aussi. Donc, pour faire fondre des trucs. Remplir fiole. Non, il dit que c'est pas le moment. Verser fiole dans bénitier. Ouais, je sais bien, Eric, que c'est un indice, jerrycan. Mais je n'ai pas encore trouvé de jerrycan. Mais bon, je voulais voir s'il n'y avait pas non plus d'autres possibilités. Si je lui dis amen, qu'est-ce qu'il dit quoi? Non. Bon, allez, on va voir ailleurs. On va retourner dans le cimetière. Je sais pas ce qu'il y a à faire dans le cimetière. Manger hostie, ouais, non, ça m'étonnerait qu'il y ait des. J'ai pas vu d'hostie, il m'a dit que c'était juste un bénitier et de l'eau bénite. Donc, à la croisée des chemins, donc on a tout ça. Par contre, ça fait chier, quoi. Je peux pas jeter un oeil à la tombe qui est à côté. Mais en même temps, en fin de compte, ça correspond au. Comment dire à ce que le manuel du professeur, enfin le manuel, son mémoire. Il parlait qu'il voulait créer en fin de compte des êtres capables d'accepter de voyager dans le temps pour ses expériences. Et donc il avait besoin d'un cerveau. Donc il a été déterré un mort dans le, dans le cimetière pour récupérer un cerveau. Donc ça c'est fait. Il y a un lien avec l'histoire. Mais par contre, est-ce qu'il y a un truc à vérifier dans le trou? Je vois pas du tout. Je vois pas du tout ce qu'il y a à faire à ce moment-là du jeu, quoi.
fouiller tombe, je crois que j'ai déjà fait. Hein. Vous n'avez pas peur des zombies? Un coup de pub. Bah, utiliser le pied de biche, pourquoi? Creuser tombe. Mais non, elle est déjà creusée, la tombe. Elle est déjà creusée. À force de creuser, vous allez avoir des trous de mémoire. Il dit tout le temps ça. Pousser dalle. Ouais, pourquoi pas. On peut pousser une dalle. Mais le truc, c'est que ça a déjà été fait. Ça, on voit bien qu'il y a un trou là sur le côté, quoi. Bon, je reviendrai dessus plus tard. Si j'ai une idée qui me revient. Alors, il me restait à aller. Ah merde, j'ai fait. Oui, nord, c'est bon. Non, c'est pas au nord qu'il faut que j'aille. Non, non, c'est au sud. Non, 25, c'était l'église. Là, j'arrive dans l'église. Dans l'église. Donc là, je suis en 24. 26, c'est le cimetière. Ok, aussi, donc il faut bien que j'aille au nord. En fait, si tu fais dans l'autre sens, tu vois le cimetière en premier. Et donc, tu te poses plus de questions. D'accord. Casser, tombe. Non, mais ça va, ouais, Amstrad. Putain, je vois mal comment c'est écrit. Amstrad aussi. On va pas profaner un cimetière dans un jeu, voyons. Alors là, on a un autre chemin, 24B. Oh merde, j'aurais dû faire mon plan vers le bas, parce qu'à tous les coups, ça va remonter maintenant. C'est marrant le changement de palette, là. Pour rajouter des screens en plus, ça fait vraiment la nuit tombe, quoi. Le prof l'a fait, lui. Ah ouais. Tiens, je me rappelle pas qu'il avait cassé une... Il me semblait pas qu'il avait cassé une dalle. Mais de toute façon, c'est celle-là qu'il a cassé. Quel intérêt d'en casser une autre? Casser dalle. Non, non, non. Casser tombe. Oui, oui, là, je reviens sur mes pas. Là, c'était juste pour tester un truc, mais... Là, je vois pas trop... Je vois pas trop. Rien d'autre à dire. Ouais, pour prendre le cerveau, Mori, bah oui, mais... Moi, j'ai rien à faire, là, en fait. Tu viens juste constater... le truc, quoi. Mais... Parce que là, on est sur le chemin. Là, il y a l'église. Ah, j'ai mis un petit trait vers le bas, là, dans 25, là. Nord, c'est l'église. Moi non plus, du coup, va au sud de l'église, tu ne l'as pas encore visité. Ouais, c'est ce que je viens de voir, ouais. Eric, tu es trop... Bah non, non, ils mettent pas, parce qu'en fait, je mets un petit trait, là. Je sais pas si vous voyez, mais... Hop. Voilà, 25... Ah la vache, 25 c'est l'église. Et j'ai mis un petit trait vers le bas justement pour pas me planter dans les directions. Donc non, j'ai bien vu qu'il y a un endroit où... Mais je voulais voir en fin de compte si je devais dessiner mon plan vers le bas ou vers le haut. Et visiblement, je vais devoir réécrire ça plutôt vers le bas parce que là j'ai plus avoir de place sur ma page. Donc 24... En général, Eric, il me donne surtout des choses pour me faire perdre. Et j'évite de trop lire. Je lis vraiment entre les lignes. Puis ça tombe bien parce que je vois vraiment très mal là sur l'écran. C'est une écriture jaune sur. Des fois ça tombe sur du vert ou une partie qui n'est pas lisible de la photo derrière. Hein. Il va falloir que je corrige ça. Hop, 24.
4C, et je vais gommer ce que j'ai écrit en haut. Parce que je connais pas du tout la map hein, de ce jeu-là, vu que j'ai jamais fait. Je sais pas du tout dans quel sens ça s'en va. Si tu veux éviter de rester bloqué une heure sur des trucs comme ça, je veux lui. Bah écoute, moi c'est pas grave, hein. Rester bloqué, franchement, ça fait partie du jeu d'aventure. Donc moi c'est pas un problème de rester bloqué sur un truc. Sur Monkey Island, je suis resté bloqué pendant tellement de temps que j'ai dû le streamer 10 mois après la suite. Donc c'est pas un souci du tout. Alors au sud. Qu'y a-t-il au sud? Ah, une rue. Une rue. Ok. Et ensuite, je reviens devant l'église. Ok. Moyen à pas comprendre ce qui vient d'arriver là. La seule salle de... Ouais, ça c'est l'ancien truc. Et ça continue encore et encore. Ah oui, non, c'est parce que j'ai dû faire... j'ai dû appuyer sur quoi? C'est quoi ces enchères sur eBay? Bah écoute, je sais pas. Se termine bientôt dans 14 minutes. Amstrad cassette 401 Golden Hits. Ouais, il était pas cher, mais il y avait des jeux de merde, donc ça me m'intéresse pas. Si c'est pas des jeux auxquels je peux jouer, c'est pas trop la peine quoi. Donc là, j'arrive dans une rue. Ok, donc 25, 26, 27, 28. Et c'est marqué la rue Stick. Oh la vache, la rustique. 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 Hop là. Et ça continue encore et encore des graffitis. Donc sur la rustique, on est en 28. Alors si je vais au nord, normalement je reviens devant l'église. Je peux aller au sud et je peux aller à l'est. mais je vais repartir de là où j'étais, donc ok, là je sais que je peux aller par là. Mais c'est pas par là que je voulais aller en fait. Donc à l'ouest, je voulais aller voir jusqu'où s'étendent là les chemins là, parce que moi j'ai pas terminé hein, tout ça. Donc là on est encore dans un croisement, donc là je suis à l'écran 24B, 24C, putain la vache, 24D. Je vais quand même sauvegarder là, ça fait un petit moment que j'ai pas sauvegardé ma partie. Chemin. Le métalleux dans son monde. Ouais. Dans mon monde. Tiens, salut Loki, EOS, EOS. Ça sent le chemin infini. Bah oui, c'est pour ça que je préfère sauvegarder. Alors, chemin 24D. Je l'appelais comme ça, parce que ça va faire référence à ce que j'écris. Hop là. Donc 24D. Je vais continuer au nord. Ah non. Ça me renvoie sur... Le donc devant l'enceinte extérieure, donc ça me renvoie en 22. Donc d'accord, alors en fait, ah ok, d'accord, je vois. Ok, donc ça c'est attaché à ça. Ok, très bien. Bon, bah en fait, j'avais juste à aller au sud de l'église pour continuer en fin de compte. Ok. En tout cas, c'est bien d'avoir fait ça comme ça. Ça fait un peu, tu continues de marcher, la nuit tombe, donc ça, le ciel devient un petit peu orange. Au sud. Voilà.
voilà, donc rustique. Ils disent il y a des graffitis, donc on va faire lire graffiti. Punk is not dead, le tango non plus. Ah, c'est pas mal ça. Un vieux qui a rétorqué ça à un punk. Ouais, bah ton punk est pas mort, mais notre tango non plus, il est pas mort. On va examiner la rue. Examiner. Réverbère. Examiner porte. Examiner fenêtre. Wow, ça sert pas à grand chose de faire ça, je pense. On va fouiller, peut-être, il y a un truc. Non, il y a rien. Donc là, je suis en 28. On peut soit aller au sud, soit aller à l'est. Bon, je continue à aller au sud. Les punks, maintenant, ils ont la cinquantaine. Bah, tu m'étonnes. Les clochards... Le clochard d'assaut. C'est un haut. Ouais. Le clochard d'assaut. Ah ouais, le clochard d'assaut, pas mal. Voici un des passagers du vin. Donc j'imagine qu'il parle aussi du chiffre 20. Oh, il a la tronche à Freddy. Dans le cauchemar de Freddy. Non ? Il me fait un peu penser à ça. Ah, il y a Thor d'Asgard qui me fait ouvrir porte. Ouais, tu veux dire dans le screen d'avant ? Le passager du vent, ah ouais. Mais je connais pas ce jeu-là, moi, les passagers du vent. Il me fait penser à Jean Gavin. Alors, ouvrir porte. Les gens terroristes refusent d'ouvrir la porte à quiconque. Ah non, terroriser. Ils sont chiants pas pouvoir mettre les accents, là, ça trompe l'œil. Hein. Les gens terrorisés refusent d'ouvrir la porte à quiconque. Parler avec Jean. Ouais, non. Lire graffiti. Ouais, on a déjà fait, Eric, ça. On a déjà lu les graffitis. C'est Freddy. Ouais, moi aussi, je trouve aussi que c'est Freddy. Alors, en 29. Donc, on arrive à un carrefour, carrément. Clochard d'assaut. Bon, on va lui parler. Parler avec Clochebot. Ah, gaga, pain sec, burk. Oh la vache, les stéréotypes de l'époque, quoi. Genre le clochard, quoi, il sait pas parler. Je peux encore lui parler ou pas? Alors si je peux fouiller clochard. Alors je peux lui piquer des trucs au clochard. Prendre pain. Aga, aga, touche pas, c'est à moi. Oh la vache. Je vais prendre... merde. Je vais prendre sa bouteille de pif, prendre 20. Prendre bouteille. Frapper clochard. Oh la vache, je suis immonde. Non, pas les dents. Bon, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire, moi ? Ah, je peux lui donner le camembert ? Il a du vin, du pain, du camembert, tout va bien. Tiens, on va lui donner... c'est quoi donner déjà? C'est 9. La touche 9. Donner camembert. Vous êtes bien généreux avec ce que vous ne possédez pas. Alors, j'ai mal écrit. Camembert. Aga, gaga, coude rouge, hic, Sergio, taverne, hic, tuyau. Oh la vache.
Alors en fait, l'analyseur syntaxique ne s'occupe que des quatre premières lettres des mots. Parce que là, j'ai mal orthographié camembert jusque sur la quatrième lettre. Et en fin de compte, des fois, quand j'écris mal les fins de mots, il me les prend quand même. Donc en fin de compte, il doit analyser que le début, non? Du vin, du pain, du boursin, bah ouais. Alors, là, il m'a donné un indice, il m'a dit coude rouge, hic, Sergio. À la taverne. Pour avoir un tuyau. Bon, j'écris quand même tuyau, hein. On sait jamais s'il faut vraiment un tuyau, un vrai tuyau. Du coup, tu pourrais écrire donner cam au clodo pour le RP. Qu'est-ce que tu veux dire pour le RP? Donner cam? Donner drogue, tu veux dire? Donner cam pour le roleplay. Ah, pour le roleplay, ouais. Bah là, ça marche pas. qu'est-ce que je peux faire, moi? Ah ouais, tu veux dire pour le camembert? Eh ben écoute, je vais tester ça sur les prochains. Non cam pour camembert par rapport, voilà, à l'explication de l'analyseur syntaxique qui prend que 4K. Ouais, dom cam, camembert. Oui, bah ouais, bah ouais. Ouais, ça y est, je viens de comprendre ce que tu viens de me dire. Je vais essayer ça sur d'autres trucs. Toki, fais du Monkey Island, tout le monde troll. Ferme-la. Bah moi, Monkey Island, j'ai fini le premier épisode, quoi, il y a quelques semaines. Bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire ici. Je suis donc dans l'écran numéro 29. Je peux aller à l'ouest, au sud et à l'est. Bon, alors là, il y a du chemin à faire. Par contre, sur le screen d'avant, donc au nord, je pouvais aller à l'est. J'y suis pas encore allé. Les Ursuites, la reset est super fun. Ben moi, je suis impatient quand même de commencer à me faire le Police Quest 1. Mais par contre, ce sera sur Amiga, pas sur PC. Hein, parce que John, il a fait la version PC, sous DOS. Et moi, ça va être la version sur Amiga. Alors, ça va être le premier jeu d'aventure point and click en anglais que je fais. Hein, donc, je serai là pour tes Police Quest. Ouais, tu seras là pour te foutre de ma gueule, parce que toi, tu connais tous les pièges, en fait, sur dessus. Là, tu vas bien te marrer, hein, parce que moi, je vais tomber dans tous les pièges du jeu, quoi, hein, c'est sûr. Mais Police Quest, j'ai vraiment le souvenir dans les magazines. C'est un jeu que, voilà, j'ai vraiment juste des screens comme ça en tête. Alors le fait de te l'avoir fait, enfin t'avoir vu y jouer, je me dis, fera peut-être quand même que je le fasse quoi. Ça fait partie d'une partie de ma nostalgie des screens Amiga ou PC qui étaient dans les magazines de l'époque et que je n'ai encore jamais joué. Best Amiga. Bah ouais, bah de toute façon, j'ai pas fini Amiga, j'ai encore Trapped and Treasures à finir. Je suis bloqué dans le niveau 3, mais bon, j'avance un tout petit peu. T'avances un petit peu, t'es bloqué. T'avances un petit peu, t'es bloqué. Bon, je vais à l'est. Ah, j'ai ma braguette ouverte. Hop. Attention, vous vous faites écraser par une voiture. Votre corps gît sur l'asphalte. Eh, on parle de Police Quest. Je traverse la rue dans mon jeu, je me fais écraser par une bagnole. Si ça, c'est quand même pas. Pas téléphoné, mais. Il y a l'univers de Police Quest qui est arrivé dans mon jeu Amstrad. Putain! Comme quoi le passage piéton de l'aéroport de Police Quest 2. Ouais, c'est ça. Bon, je recharge mon screen. Alors là, du coup, je sais pas du tout d'où je pars. Ah, ok, d'accord. Je suis arrivé d'ici au portail, donc il faut que j'aille au sud. Et pub pour le jeu Asphalt en plus. Ouais, non, mais il faisait carrément plein de pubs dedans. Ah, mon petit bon qui court. Loki s'est abonné. Eh ben. Ah, s'est abonné. Ah oui, c'est pas le même. Ah, merci pour ton argent, Loki. Tu me donnes ton argent, c'est super gentil.
Eh, j'ai 2 abonnés sur mon truc, quoi. Sword of Sodan, pas top top au final. Mega Drive ou Amiga, même combat. Oui, en effet, mais bon, la version Amiga était quand même très belle. Bah ouais, il y a des trucs Amiga qui étaient quand même plutôt pas mal, quoi. Je pourrais streamer de la Mega Drive, machin, mais bon, déjà tout le monde le fait, quoi. Moi, je stream uniquement ce qui existe avant la NES. C'est du rétro-rétro gaming. Paco appelait ça du daron gaming. Du daron gaming. Tu as le devoir de me respecter maintenant. Bah oui, parce que tu as un petit aigle d'or. Parce que les gens qui s'abonnent à ma chaîne... et donc bah, j'ai créé un petit icône spécialement pour eux où il y a un petit aigle d'or en fait. Et donc c'est l'aigle d'or d'un des jeux Amstrad CPC. Donc on est 3 désormais à avoir un petit aigle d'or à côté de notre pseudo. Il y a toi, moi et comment il s'appelle? Ah, je sais plus comment il s'appelle. Retro gaming, c'est le futur. Ouais, l'Amiga existait avant la NES. Oui et non, en fait, moi je me base toujours par rapport à ce qui existe en France, hein, parce que ouais, en 87, le Japon, il n'existait pas dans les... Tu voyais ce qui arrivait dans tes magasins, dans les magasins en France. Donc pour moi, en 87, l'Amiga est sorti, la NES est sortie, mais à mes yeux, elle était obsolète, la NES. Je voyais des screens d'Amstrad avec des couleurs plus fades, où je voyais des graphismes moins bien que la Master System. Moi j'ai eu la Master System 2. Master System 2. Et non, non, moi je voyais déjà des screens dans les magazines de l'Amiga. Pour moi la NES c'était moche quoi. C'était pas une révolution quoi. C'est juste que l'Amiga était intouchable par son prix. Donc forcément, bah. C'était logique de se tourner vers la NES. Hein. Je joue à la NES, mais chez des potes. Ouais, quand 16 bits, j'ai entendu dire que c'était 16, 32 bits. Alors, il y a 32 bits attribués à quoi, je sais pas du tout. Mais l'Amiga était vraiment super puissant, quoi. Tiens, puis il y a Wizbot qui dit qu'Alitor est vraiment un abruti. C'est pas moi qui dis, hein, c'est Wizbot, hein. Mais si Wizbot le dit, c'est que c'est ça. Donc, en fin de compte, il faut pas que je traverse à l'est, je me fais écraser. Donc, il faut bien que j'aille au sud. Donc j'ai lu les graffitis, donc les graffitis qui disaient Punk is not dead et le tango non plus. Alors le clodo. Alors j'ai rechargé, donc on va tester ton truc là, John. On va faire parler avec Clochard déjà. Voilà, et on va faire donner cam. Ah non! Alors on va faire donner... Attends, je l'ai toujours le camembert, hein. Ouais, c'est ça. On va voir, ça se trouve, c'est pas les 4 premières lettres. Ça se trouve, c'est les 5 premières lettres. Mince, j'écris n'importe quoi. Donner cam... Camem. Ouais, les 5 premières lettres. Donc s'il y a une connerie à taper... Faudra choper les 5 premières lettres. Dommage. Ça aurait pu être rigolo de donner cam à un clochard. L'Amiga 500 pouvait avoir jusqu'à 16 mégas de RAM en théorie. Non, non, non. 16 mégas quand même. Moi dans le mien, dans mon Amiga 500 là qui est derrière, j'ai 2 mégas de RAM. Et c'est suffisant hein, pour faire tourner tous les jeux. Hein. J'ai pas eu de soucis. Même les Monkey Island, ils rament pas... J'ai pas vu de différence avec l'émulation en tout cas. Donc là on est ici. Donc je vais aller à l'ouest. On va voir ce qui se trame à l'ouest. Oh. La maison de vos voisins. Ah donc je suis pas trop loin de ma maison de départ. Screen numéro 30. Alors maison. Des voisins. Je vais
sauvegarder là pour éviter de me retaper le clodo. Ah ouais, chemin 24D, ouais. Maison des voisins. Je vais explorer un petit peu tout. Alors la maison des voisins, ok, je peux aller au nord. Alors je reviens à l'est quand même. On va explorer un petit peu ce qu'il y a à l'est du croisement ici, du carrefour. Ah, buvez Ubisoft. Ok. Oh, Gainsbourg. On a Gainsbourg à l'écran. Dans un bar, le Gainsbar quoi. Alors 31. Donc là je suis dans la taverne. Sergio, bah ouais, c'est Sergio, Serge Gainsbourg. Oh les références dans le jeu. Ouais. Donc parler avec Sergio. Dans la forêt, tu pénétreras. Le souterrain, tu découvriras. Au manoir, tu accéderas. Le savant fou, tu rencontreras, mais méfie-toi des rats. Eh, mais j'ai déjà fait ça. C'est ça que tu me disais, Eric, que j'ai pris le jeu à l'envers. En fait, j'étais pas censé partir dans l'autre sens. J'étais censé d'abord aller voir la taverne et du coup comprendre... voilà, tout ça, ok. Eh oui, bah ouais. Bon, bah du coup, ça va rien me donner. Si je parle encore avec Sergio. Ouais, bah non. Il n'y a rien d'autre à faire ici. Boire. Un petit coup. Affirmatif. Oh, tiens, boire. On peut pas boire jusqu'à se torcher la gueule. Chanter. L'Olympia vous attend. Tu peux lui donner de l'argent à Sergio? Bah je sais pas si je peux lui donner de l'argent, j'ai pas d'argent. J'ai un pied de biche, un pneu, une boîte de cassoulet, une clé et une fiole de chlorure d'hydrogène. Je peux pas donner l'argent. Donner argent, argent. Vous êtes bien généreux avec ce que vous ne possédez pas. De toute façon, à chaque fois que je veux donner un truc. Bon, bah très bien. Donc là, je sors. Tiens, c'est marrant, il n'y avait pas les points cardinaux là. Dans la boussole. Ah si, il y avait West. C'est un bug ou quoi? Sergio. Ah non. Nord. Faites réparer votre boussole, impossible, vous avez perdu le nord. Ah non. Non, c'est pour ça, il me semblait que j'avais pas, je voyais plus ouest. Ah, je me souviens qu'il y avait une réplique. Ah, ça serait le moment alors. Argent, bonheur. Oh, attends, argent, bonheur. C'est dans quel jeu ça où il y a ça? Ah non, c'est peut-être dans un autre jeu d'aventure que j'avais streamé, ça s'appelait Danger Hôpital, il me semblait qu'il y a une histoire comme ça. Brûler billet, ah ouais, brûler billet, on va essayer de voir. Jouer piano, ouais, on va essayer toutes les merdes. Si vous avez des idées, balancez. Jouer piano. Un seul moyen, un logiciel Ubisoft. Brûler billet. Vous n'avez pas le nez rond. Comprenne qui pourra. Un néron et rond, petit patapon. Non, c'est pas ça. Fumer cigarette. Non. Éteindre clope. Fumer clope. Tuer Sergio. Vous êtes la... Oh putain! De la laine tu mouches. Vous êtes la 10e victime de la laine tu mouches. Oh putain! Il m'a balancé son haleine dans la gueule et je suis mort.
putain la vache. Ah oui, j'avais sauvegardé là. Rasé Gainsbourg. Il y a une chope au mur. Ouais. Prendre chope. Prendre tasse. C'est une grosse tasse. Prendre bouteille. Prendre verre. Assis. Non. Parler avec Sergio. Gainsbourg. Merde. Il y en a peut-être une caisse avec de l'argent. Ah ouais, voler argent. Si j'ai bien compris, vous voulez voler, piquer, chipper. Ah ouais, non, ça il me l'avait déjà balancé. C'est une réplique qui sort à chaque fois. Fouiller. Fouiller. Non. Fouiller taverne. Oh non, mieux. Fouiller Sergio. Fouiller Sergio, est-ce qu'on peut? Non. On ne doit pas laisser traîner son nez partout. Ouais. En plus, si on fouille, on fout notre pif. Ouais, non, bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire hein, ici. Couche avec Jane. Ouais, mais non, là, ça va pas marcher. Là, toutes les conneries vont y passer, mais ça va pas marcher, quoi. Ils n'ont pas été jusque-là, je pense. Bon, en tout cas, la taverne, il n'y a rien à y faire. Alors, dans mon plan, 28, bon, là, on crève. Au sud. Ah, je retourne à la rustique. Ah non, c'est la rue Tagada. Tagada Jones. Alors, rue Tagada. Donc 32 rue Tagada. Alors tiens, je vais faire ouvrir porte comme tout à l'heure. Non, il refuse d'ouvrir la porte intérieure. Alors par contre, lire graffiti, c'est peut-être pas les mêmes. Dépêche-toi de la rattraper. Dépêche-toi de la rattraper. Rue Tagada. Dépêche-toi de la rattraper. Je sais pas s'il y a un lien avec Tagada. En tout cas, dans cette rue-là, on peut encore aller au sud et on peut aller à l'est. Birkinjön, c'était pas mal. C'est après que ça s'est gâté. Comme rue Tabaga. Soin de soin. Par contre, il y a une bouche d'égout là. Il y a une plaque d'égout. Examiner rue. Fouiller. Examiner plaque. Pousser plaque. Examiner plaque égout. C'est une plaque d'égout, hein. Je vois pas ce que ça peut être d'autre là en plein milieu. Plaque d'égout. Bouche d'égout. Fouiller bouche d'égout. Ouais, je suis pas sûr qu'ils prennent les. Examiner bouche. Alors fouiller bouche tout court. Examiner bouche. Pousser bouche. Tirer bouche. Tirer plaque.
Ouvrir plaque, ouvrir bouche. La bouche a débouché, est bouchée. Hein? Quoi? La bouche a débouché, est bouchée. Ah, j'ai un pied de biche, il peut pas me servir à quelque chose le pied de biche là? Elle est bouchée. Eh ben, si mon chlorure d'hydrogène là, c'est un truc d'acide, ça peut peut-être faire comme du desktop là, déboucher le truc. Alors, mettre. Alors, verser. Fiole. Dans. Bouche. Ce n'est pas le moment. Déboucher. Bouche, c'est naze. Qu'est-ce que j'avais fait pour qu'il me dise ça? Tirer bouche. Non. Ouvrir. Ouvrir bouche. La bouche a débouché, est bouchée. Mettre fiole dans bouche. Ouais, alors, y a un truc à faire. Je vais y revenir là. Je vais noter que ici j'avais fait ouvrir bouche. Et je vais revenir ici. Il y a un truc à faire. Si ça se trouve, il me manque un ingrédient, moi, avec ma fiole, là, pour ce que ça fonctionne sur ce truc-là. Alors, je peux aller à l'est. Attention. Oh, putain, vous vous faites écraser par une voiture. Votre corps gît sur l'asphalte. Oh, ils font chier. Putain, à chaque fois, on claque ici, quoi. Oh, putain, me revoilà dans la maison des voisins. Je veux pas y aller tout de suite. Je veux d'abord voir ce qui se trame par là, quoi. J'ai donné mon camembert, hein. Ouais, c'est ça. Donc on va au sud. Alors à chaque fois qu'il y a une rue comme ça, faut pas aller à l'est, parce qu'à chaque fois on se fait écraser, quoi. Donc là j'avais fait ouvrir bouche et puis voilà. C'est quoi ces notifs? Ah, Loki te suit aveuglément. Merci pour le follow, Loki. Fais gaffe, tu me suis aveuglément. Tu ne sais pas qui c'est que tu suis. C'est peut-être dangereux. sud. Faut pas suivre aveuglément comme ça, quoi. La rhubarbe. Pas mal, la rhubarbe. Ah, ils avaient de bonnes idées, hein. Donc là, on a la rhubarbe. Encore des graffitis. Dépêche-toi de la rattraper, c'était sur l'autre rue. Alors là, je vais voir ce qu'il va lire. Qu'est-ce qu'il va dire? Lire graffiti. Tu connais la rumeur qui court? Ah, dépêche-toi de la rattraper. La rumeur qui court. Moi, je connais le bruit qui court. Le bruit qui court, c'est ça. Oh la vache, c'est à chier. Ah, plus c'est pourri, plus j'aime ça, moi. Ouvrir porte. Le bruit qui court. Les gens terrorisés refusent. Je suis un débile. Je suis bonnet. Je suis bonnet. Je suis un débile. Je comprends pas ce que tu me dis, Toki. Abonné? Ah non, non, non. Il n'y a pas que les abonnés qui sont débiles. Non, non. Tous les gens qui regardent le stream, c'est tous des connards. Là, il y a 18 connards qui regardent le stream, quoi.
Alors, la rumeur, machin, nanana. Ok. On peut aller à l'est. Alors, je vais pas y aller parce que là, je vais me faire écraser. Alors, enfin, par acquis de conscience, je vais y aller. Mais je vais sauvegarder quand même avant. Hein. Tous des connards. Eh ouais. Comment il s'appelait, l'autre crétin, là, qui chantait ça là. Comme des connards. Save snapshot. Rhubarbe. Alors, on va bien voir. Voilà, on se fait écraser, patati patata. Ok, on se fait écraser à chaque fois. La rue Le Riche. J'aime, je suis un connard. J'adore Michael Young. Alors, du coup, j'avais commencé à faire mon schéma en haut. Je l'ai gommé pour le réécrire en bas. Puis finalement, j'aurais dû le laisser en haut parce que j'ai plus de place en bas. Ah, fait chier. Bon, je réécris le screen numéro 33 ici. Hop, j'arrive au screen numéro 34. Où je peux aller au nord et à l'ouest. D'accord. Et donc là, c'est la rue Le Riche. Hop, on va examiner, on va fouiller, histoire de, voilà, jamais rien vu, ouvrir porte, ils veulent pas, ils sont terrorisés, ça va finir sur une feuille à 3, non mais attends, rigole pas, quand j'ai fait la map de Obliterator, c'était plein de pages A4 collées, ça me faisait un truc grand comme ça quoi. Attends, je l'ai encore ou pas ça? Je me pose une question, je vais aller jeter un coup d'œil, il me semble que je l'ai encore cette map là, oh, c'est le bordel sur le truc. Oh merde, ma bouteille. Je crois que je l'ai quelque part, ça. Moi, les maps, quand je les fais, elles sont big. C'est peut-être derrière. C'est peut-être dans le carton de mon CPC+. Ouais, c'est là-dedans. J'ai trouvé. Hop là. Hop, j'ai trouvé. Ah, je vais vous montrer mes maps. Putain, je vais repasser en écran bidule. Hop. CPC plus, j'ai gardé le carton et c'est dedans que j'ai mis des trucs que je savais pas comment foutre. Ça, c'est... ça c'est quoi ça? Voilà, mes maps, voilà, je joue à un jeu, genre c'était Mystère dans Mommy, j'étais obligé de faire ça, quoi. C'est pas le choix, avant de le refaire sur papier en plus petit, et puis finalement de trouver que c'était plus simple. Et donc celle qui est sur CPC Power, qui est faite à la main, c'est une version plus petite, quoi, de... que j'ai d'autres comme map ici. Ouais, je sais pas pourquoi ça, je les avais déchirés. Ça devait être mauvais en fait. Ouais, après la même map, je l'ai refaite comme ça en fait. Voilà, et ça c'est celle qui est disponible sur CPC Power en fait. Finalement, ça tenait sur une page A4 quoi, si je l'avais fait. Mais donc dès le départ, on peut pas deviner quoi que ça va donner ça quoi. J'avais fait un stream sur le jeu Rank Xerox sur Atari ST. Voilà, donc j'avais fait le plan des hôtels, les trucs pour se repérer quoi, en fin de compte. Et dans Mystère, dans Mommy, c'était pas mon premier plan, parce que j'en avais refait un. Ah non, ça c'était un autre ça. Ça c'est un plan que j'avais fait pour il y a des streams que j'avais fait il y a un ou deux ans, des maîtres de l'univers, quoi. Master of the Universe sur CPC.
Pareil, après, Batman The Caped Crusade. J'ai dû me farcir tout ça, quoi. Donc des plans, j'en fais pas mal, hein. Y a pas le choix. Y a pas trop le choix. Tiens, les maîtres de l'univers. J'avais même été obligé de le refaire sous cette forme-là, quoi. Ouais, la boussole dans les maîtres de l'univers, c'est n'importe quoi. Hein. Les points cardinaux, c'est vraiment de la merde. De toute façon, le nord, l'ouest, l'est, ça veut rien dire parce que dans le sens, selon dans le sens dans lequel on est, ça change tout le temps. Tiens, les maps que j'avais fait sur. Quand j'avais streamé l'aigle d'or, le fameux petit aigle que vous avez à côté de votre pseudo. Voilà, donc ça, c'est la map du jeu, ça. Bah, le jeu est pas merdique, hein, des maîtres de l'univers. Au contraire, moi je le trouve très très bien, quoi. C'est juste que, voilà, pour se repérer, c'est... Oh putain, ça c'est la soluce de quoi, ça? Ah, ça, c'est la soluce de Atanor 2. Il y a 4 pages. Bon, bah j'ai dû jeter Obliterator, c'était la plus grande. Elle faisait la moitié de la table de cuisine. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Ça m'étonnerait que j'ai gardé ça. Et je fous tout ça dans un carton qui me sert à rien. Mais que je garde parce que apparemment les cartons ça coûte cher. Quand je vois le prix que ça part, bande de débiles. Ah là là. Bon allez, on va continuer le jeu parce que là il est quand même. Ça fait 3 heures de stream. J'aimerais bien quand même avancer un petit peu, quoi. Tiens, salut Switch 1804. Bon, on en était là, nous. Alors, on était à la rue Le Riche. Donc, rue Le Riche, on avait fait donc lire graffiti. Changer d'air, vive Ubisoft. Putain, la vache, la pub qui se font dans le jeu, quoi. Bon, il n'y a rien de spécial ici à noter. On était arrivé au screen numéro 34. On peut aller, non, on peut aller qu'à l'ouest. Bon, on va à l'ouest. Ah, ok, d'accord. On revient au début du jeu. Ok, bah alors je crois que j'ai fait le tour des screens du jeu en fait. Non, il reste la maison des voisins. Donc la maison des voisins. On va aller faire un petit tour histoire de voir ce que c'est, quoi. Déçu du coup de ne pas avoir vu la map de l'écran de veille de Windows 95. La map de l'écran de veille de... Pourquoi? Quelle map de l'écran de veille de Windows 95? Il y avait une map? J'ai pas souvenir. La map de l'écran de veille de Windows 95. Ah oui, attends, c'était pas la map de Wolfenstein 3D? Le truc qui passait à l'époque en démo dans les magasins, là, dans les Auchan et tout ça, il y a... Oui, tu sais, le truc avec les murs en 3D façon de... Ouais, bah c'était les murs de Wolfenstein. Soit c'était la démo, soit c'était un truc comme ça, mais quand tu rejoues après au jeu, c'était exactement les mêmes murs. Hop, hop, on avance, on arrive au nord, on arrive au carrefour, et on va aller dans la maison des voisins. Quelle heure il se fait, là? Juste comme ça. Ah, il est minuit 44, voilà, moi je vais pas tarder. On va faire fouiller, ça ne casse pas des briques, examiner jardin, vous avez des hallucinations... Examiner fenêtre, parce qu'on dirait que la fenêtre est cassée, hein. La fenêtre de droite, quelqu'un est rentré par effraction ou est sorti. Il y a des traces de sang dans le jardin là. Il y a des traces de sang. Donc on va pas fouiller la fenêtre, on va avancer. On va aller au nord. Le truc pourri de Windows, rien à voir avec Wolfenstein. Ah ouais, dans mon souvenir, moi c'était ça pour toi. Oh putain la vache. Putain, mais tout le monde est crevé dans le jeu là. D'accord, et on peut aller qu'au sud, ok. Eh ben, on va faire fouiller. Il y a une bombe d'insecticide et un journal. Ah ben, on va faire prendre
Bombe. Alors prendre au journal, je pense que ça n'a pas marché, il va nous demander de le lire. Donc lire journal. Révolution dans la micro. Interview exclusive des auteurs de La Chose de Gothenburg qui annonce la sortie future d'un nouveau super logiciel. D'accord. Je te regarde depuis tout à l'heure et je suis vraiment content d'avoir découvert ta chaîne. Bah écoute, je suis content que tu sois content, quoi. Bienvenue chez les cons. Ouais, c'est ça. Bienvenue chez les connards. Putain, Wizbot qui balance Eric, des fois c'est un vrai boulet. Bon, allez, on va examiner les trucs et puis après je vais aller me pioter parce que je suis. Voilà, dodo. Fouiller corps. Ouais, alors ça va être fouiller morte à tous les coups. Hein. Non, même pas. Examiner. Fouiller mort. Fouiller poche, on dirait qu'il y a un truc dans sa poche. Non. Par contre, il y a de la trace de sang là sur le tableau là-bas, là, on dirait à moitié là. Fouiller canapé. Examiner canapé. Examiner tableau. Non, fouiller tableau d'abord. Examiner tableau. Fouiller voisin, on est chez le voisin. Non. Examiner voisin. Fouiller plante. Il y a une plante à gauche là. Fouiller plante. Examiner plante. Qu'est-ce que j'ai déjà dans l'inventaire ? Un pied de biche, un pneu, une boîte de cassoulet, une bombe d'insecticide. Ah, les guêpes. Les guêpes. On fera ça le prochain coup. On utilisera l'insecticide sur le nid de guêpe. Je pense qu'il n'y a rien à faire ici. Hein. Regardez sous table. On dirait qu'il y a des trucs, je sais pas trop s'il y a quelque chose. Non. Fouiller table. Examiner table. Ça casse pas des briques. Ok, bah vous savez ce qu'on va faire. On va retourner dans la forêt, là où il y a le nid. On va essayer de leur balancer de l'insecticide. Et ensuite on sauvegarde. Et puis après, bah, on continuera plus tard. Parce que là, ça fait comme 2h39, j'ai dit 3h, mais non, 2h39 de jeu. Alors par contre, il va falloir que je retourne dans la forêt. Oh la gueule. Alors, je vais repartir de chez moi. Donc, c'est-à-dire... ouais, je vais regarder par là après. Hop, on revient en arrière. Encore en arrière. Bon, le coup de l'insecticide, je suis presque sûr que c'est ça. Je vois pas pourquoi on aurait de l'insecticide si c'est pas pour en foutre sur des guêpes. Parce que là, ça colle trop bien au truc. Voilà, et là on est au début du jeu. Alors mon début il est où? Il est... Oh la vache. J'essaie de pas trop me gourer dans les... Faudrait que je le réécrive au propre. Mais bon. Le début 0, 4, 2, 5, 1, 3. Voilà, ici. Donc le jardin, j'ai dû noter. Jardin c'est 2. Donc il faut que j'aille à l'ouest. Alors là, il faut que j'aille au nord, mais en fait, j'avais fait escalade des murs. Voilà, on insère la face B, il nous demande. Load image. C'est barré où ça? La chose de Gothenburg. Face B. C'est face A ou face B? Ouais, face B. Hop là.
Voilà, là on était dans la décharge. Ouest. Nord. Ah ouais, mais non, pas bon là. Comment je vais faire là? Monter escalier. Mais il nous avait dit qu'il s'était effondré l'escalier. C'est bloqué. Ah bah ouais, je peux pas passer par là. Alors, est-ce que la trappe de sera là? Ouais, ouais, fait chier. Ah non, il a été bouffé par la chouette. Ah non, il vous étripe. Oh, fait chier. Ah, je peux pas repasser par l'ancien... avec l'ancien cheminement de screen que j'avais fait. Parce que je ne peux plus remonter dans le haut de la demeure parce que le sol s'était effondré. Alors clairement, je dois aller... Alors, chauve-souris, Rambo... Un souterrain, décharge, puis essaim, guêpe. Alors c'est dans le screen 9B. Ah ouais. Alors en fait, il faut que je retourne au manoir. Il faut que, je fasse le chemin inverse. Il faut que je fasse le chemin inverse. Donc je vais. Là je suis à, donc, là je suis à rue Le Riche. Donc je suis à mon screen numéro 34. Donc je vais revenir par là. Je vais aller au nord jusqu'à. Oui, insérer la face A forcément. Alors j'espère que le fait d'avoir fait le jeu dans un certain sens ne m'a pas softlock, ne m'a pas softlocké. Sinon c'est pas grave, je referai vite fait, j'ai tout noté, hein, tout ce que j'ai fait depuis le début, mais je le referai dans un autre sens. Et du coup ça sera peut-être plus facile de... on verra bien. Alors, là on va se retrouver bientôt près de l'église, voilà c'est ça. Ensuite par là... Voilà. On continue. 24C, 24D. Voilà, on va se retrouver devant l'enceinte extérieure. Exact. D'où l'utilité de faire des plans. Faut toujours faire des plans. Ouest. Donc face B. Hop là. Voilà, lui il est toujours en train de bouffer son os. Ouest. Ouest encore. Donc là je vais me retrouver dans la baraque. Donc dans la maison, là je suis arrivé dans les screens 18 et 16. Par là, ok. Donc ouest. Sud. Ensuite ouest. Là j'arrive au labo, donc le laboratoire, et au laboratoire donc c'était le screen numéro 15. Il faut que j'aille au sud. Là, je reviens, voilà, dans le passage secret. Hop, on redescend. Donc, tout ça, c'est ce qu'on a fait. En fait, je fais chemin inverse. Voilà, donc ici, c'est là où j'ai pris l'os à moelle. Voilà, je vais bientôt y arriver, cool. J'espère que je ne me suis pas trompé dans l'ordre de mes screens. Les chauves-souris. Voilà, je me retrouve dans la...
là où j'ai fait péter le mur dans la forêt. Donc à partir de là, on va aller directement à l'essaim d'abeilles. Donc je suis pas Softlock, heureusement. Le jeu avait bien prévu le coup en fait. Alors là je suis au pivert. Alors le pivert j'avais noté. Sud. Voilà, on y est. Alors je vais sauvegarder ici et puis je vais tester donc de voir si je peux pas empoisonner les abeilles quoi. Hop, alors je tape insecticide abeille. Alors, examiner trou, fouiller trou. Examiner creux, non, c'est creux lui qui comprend. Fouiller creux. Vous êtes attaqué par l'essaim. Oui, d'accord, c'est bien ce qui me semblait la dernière fois. Alors, on va faire mettre insecticide dans creux. Qui c'est qui est level 20? Eric est level 20 déjà. Ouais, t'es premier, ouais. Ça s'affiche sous la fenêtre du stream. Vous avez un classement après sous la fenêtre du player normalement. Donc dans l'essaim d'abeilles. Tuer essaim. Alors pour qu'ils me disent que c'est un essaim, il faut d'abord peut-être examiner creux. Alors, tuer abeille. Insecticide. Non, comment est-ce que je pourrais utiliser ça? Pied de biche, pneu, boîte de cassoulet, clé. On va faire poser. Boîte. Peut-être que l'odeur de la boîte va les attirer. Est-ce que je l'ai déjà ouvert la boîte? Une odeur savoureuse s'en dégage. Oh, ce serait peut-être bien pour attirer des trucs, ça. Alors, mais peut-être pas. Ah merde, j'ai fait ouest, quel con. Récupérer ma boîte. Utiliser insecticide. Qu'est-ce que je pourrais taper? Tuer essaim. Essaim c'est S-A-I-M avec insecticide. Facile à dire, mais pas si simple. Ok. Mettre boîte dans creux. Merde. Mettre boîte dans creux. Alors ouvrir boîte. Mettre boîte
dans creux. Non. Asperger et sain. Ouais. J'ai pas de feu. Examiner creux. Ouais, bzzt. Qu'est-ce que j'avais tapé la dernière fois? Il me parle d'un essaim et de guêpe. Examiner arbre. Fouiller tout court. Ah voilà. Vous voyez un essaim de guêpe et un cygne. Alors là, je vois pas du tout. Ah merde, j'ai fait nord. Non, bah je vois pas ce que je peux faire. J'ai un pied de biche. Donc le pied de biche, non. Pneu, non. Boîte de cassoulet, peut-être, je sais pas. Mais ça m'étonnerait, hein. Les guêpes et le cassoulet. Une clé. Déjà est utilisée. Une fiole de chlorure d'hydrogène. Ah merde! Tu m'étonnes que ça marche pas! J'ai pas pris la bombe d'insecticide. Je pouvais toujours essayer, quoi. J'ai dû charger une mauvaise truc. Dans la maison des voisins, quand j'ai rechargé, je suis pas retourné. Bon, c'est pas grave. Hop. Alors la face A, elle est où là-dedans? L E L A. Voilà, elle est là. Hop. GG, bah ouais, bien joué, ouais. Voilà, bon. Là, cette fois-ci, on va faire prendre bombe. Ça sert à rien de prendre de l'insecticide si. Enfin, d'utiliser un truc qu'on n'a pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, lire, journal, c'est pour la forme. Voilà, on se casse. Et on repart. C'est le moment, on peut se foutre de sa gueule. Bon, allez-y, hein. De toute façon, vous pouvez triquiter. Hein. La triquite. Alors, au carrefour, il fallait aller vers le nord, je crois. Alors, le carrefour, il est là. Ouais, c'est ça. Il fallait aller vers le nord. Encore vers le nord. Ouest, à finir par connaître par cœur les l'ordre des screens. Nord. Ça charge vite hein, quand même hein, pour un jeu d'aventure CPC. Voilà, ouest. Voilà, on réinsère la face B. Hop. C'est bien, ça permet de passer en revue tous les screens.
sont pas dégueu ces bonbons de chez Lutti. J'appelle des smoothies aux fruits. Encore un petit. Hop. Placement de produit. Hein? Non, c'est juste que c'est bon, je vous montre, c'est bon. Alors donc. Donc on recule. Voilà. Là, je vais pouvoir faire mon snapshot. Voilà, donc là, dans mon inventaire, j'ai bien un pied de biche, un pneu, une boîte de cassoulet, une bombe d'insecticide. Voilà, donc. Utiliser bombe. Mettre bombe dans creux. Utiliser bombe. Sur essaim. Tuer essaim. Alors, tuer essaim avec bombe. Putain! Et pourquoi pas des raiders? Bah, parce que j'ai ça sous la main. J'ai pas de raisin. En général, moi, si c'est des barres chocolatées, c'est plutôt des nuts. Bon, qu'est-ce que je fais, moi, avec mon essaim, là? Non, fouiller essaim, non, on va pas faire, parce que c'est bon, on a vu ce que ça donnait. Circuler, y a rien à voir. Ça a devenu des Twix. Ouais, Raider, deux doigts, coupe fin. C'est ça. Pulvériser bombe dans essaim. Oh là là. Poser boîte dans essaim. Ouvrir boîte. Tuer guêpe avec bombe. Dégoupiller bombe, il y avait dégoupiller grenade, mais bon, donc déjà essaim il veut pas. De toute façon, quand on fait fouiller, il dit, vous voyez, une boîte de cassoulet. Ouais, alors, déjà, je reprends ma boîte de cassoulet avant de la paumer. Un essaim de guêpe, un cygne. Donc voilà, il y a un creux dans l'arbre avec un essaim et des guêpes, et j'ai une bombe d'insecticide et je suis pas foutu de les buter, quoi. Pulvériser bombe dans creux. Ah non, j'ai mal marqué. Pulvériser bombe dans creux. Non. Projeter bombe. Projeter bombe dans creux.
projeté bombe dans creux et, hop. Donc en général, c'est que c'est bon. Qu'est-ce que vous dites? Asperger? L'insecticide est sous forme poudreuse? Ah, oh, j'en sais rien. Ce qui est marrant, c'est que l'icône du perso là, à droite, c'est un bonhomme à poil avec un truc, un cache-sexe quoi. Donc, il a dû détecter, jeter. Ouais, c'est ce que je suis en train de me demander. Hein. Parce que si je fais fouiller, ouais, bah voilà, il me dit une bombe d'insecticide. Donc c'est pas ça. Utiliser bombe, peut-être utiliser tout simplement. Alors, utiliser, c'est pas dans le pavé numérique. Utiliser insecticide. Qu'est-ce que vous dites? Pulvériser, ouais, pulvériser insecticide et non pas bombe. Ouais, mais je lui dis pas vers quoi en fait. Pulvériser insecticide dans creux. Répandre, on va essayer répandre. Si c'est un truc qu'on répandre insecticide dans creux. Non. Il comprend pas le verbe pulvériser. Ouais. Projeter. Si on tape aide, il n'y a pas une aide là dans le jeu? Je ne suis pas un ordinateur sentimental. Oh putain. Il n'y a aucune aide. Ah, est-ce que tu penses que c'est un insecticide sous forme liquide? Alors si c'est liquide, je vais tester un truc. Ouvrir boîte. Mettre insecticide dans boîte. Non. Mettre... Non, puis il dit c'est une bombe d'insecticide. Donc c'est un cheat quoi. Donc dedans, oui, c'est peut-être liquide, mais ça se vaporise. Tiens, vaporiser. J'ai pas testé, si. Vaporiser bombe dans creux. Ah! Grâce à un insecticide, vous tuez les guêpes. Yes! Voilà les guêpes. Eh ben, sur cette belle action, moi, je vais m'arrêter là. Putain, comment c'était tordu de sa mère. Ah, faut pas que j'oublie de sauvegarder. Save snapshot. Fin stream 2. Comme ça, je vais m'en rappeler. Gap. Rip. C'est pour Yvain. Ah oui, le roi lion qui a peur des guêpes dans sa cabane. Ouais, de toute façon, c'est trop pourri. Il y a des guêpes dehors. C'est une région où il n'y a que des guêpes. Donc voilà. Eh ben putain, la vache, c'était vraiment pas simple à trouver. Hein. Mais bon, n'y suis arrivé. Donc sur cette belle action, ben, moi je vais aller me pioter. Parce que je suis fatigué, mine de rien.
Et puis, ouais, on a été jusqu'à 26 ou 27 personnes qui sont passées, c'était plutôt cool, quoi. Si ça peut faire connaître un petit peu l'Amstrad CPC, ça peut être sympa, quoi. Donc voilà, bah écoutez, bonne nuit à tous, hein. Licaroum, Bandicoot, Eric Boula, John Cut, je sais pas qui c'est qu'il y a, j'ai pas la liste des gens en fait. Et puis bah merci pour ceux qui ont filé des subs, comme on dit, on appelle ça des subs, hein, le langage le langage des streamers, des subs. Voilà. Et puis bah à bientôt. À bientôt, à bientôt. Je coupe.